Yo 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 les amis! Salut, salut Comment tout le monde. allez-vous? Faut pas oublier le clap, let's go. Oh il là! Merci. Quel crack! Quel Le claque! clap. Bon, Parfait. comment ça Bon, mon comment allez-vous, messieurs Tristan? dames? Qui a douillé Bah écoute. lundi? Qui a douillé lundi? Il faut en parler. Ah ouais, Petit ah con, va! ouais. Ah mec, j'ai touillé de fou là, je t'ai dit, hein, j'ai eu un truc de dernière minute au taf là, le truc à Nantes. J'étais pas hier, moi je suis rentré à 22h30 chez WAM. Je sais pas si t'étais encore sur le live à ce moment-là, mais j'étais bien mort. Bah non, mais même J'ai bien pour crevé. te dire, je sais que t'as pas fait attention, mais en fait, j'ai même pas lancé de live du coup. Ah En fait, ouais, lundi, du si, coup, vu alors que si j'ai vu que j'étais t'avais tout seul, repoussé. j'ai pas lancé de live. Ouais, c'est vrai, t'avais repoussé, mais je m'étais dit si t'avais pas essayé de faire un truc, tu sais, Non. de ouvert sur le Blu-ray ou quoi, enfin juste comme ça Non, plutôt parce que dans la que nuit. la plupart de mes Blu-ray, pour te dire à quel point c'est drôle, et on va peut-être la faire ce soir, c'est toi qui me diras si ça t'intéresse ou pas, c'est que la plupart des Blu-ray de mes achats de ce mois-ci, je les ai reçus aujourd'hui. Le dernier jour du mois de juin. Ah ouais, du coup tu pouvais pas. Ok. Exactement, donc là ils sont Ok. juste à côté de moi, ils sont prêts à être montrés s'il le faut. Impeccable, Voilà. impeccable, impeccable. Bon, en tout cas, Parfait. pour ce soir, les amis, on change pas notre programme habituel, même si vous le savez, on est un peu plus light depuis que Victor est plus là et qu'on approche de l'été. Ouais, Donc, on va voilà. parler tranquillement des actus de la semaine, des découvertes des chroniqueurs Epic Hunter. La chemise est sortie, et Yo, oui, la Epic chemise est Hunter. sortie, Epic Hunter. Elle est pour toi. Je me suis Parfait. fait beau pour toi, Elle est Epic. belle. Elle est belle. Et du coup, nos découvertes, parce qu'il y en a, j'ai quand même fait. Bah, on a fini Obi-Wan, forcément, on en a beaucoup parlé la semaine dernière, donc on va un petit peu donner nos avis à tête reposée, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que l'épisode, au final, on l'a regardé ce week-end tous les deux. Là, ça fait quand même quasiment 5-6 jours qu'on a bien accumulé l'épisode, qu'il est un peu passé derrière nous. Ouais. Ça va nous laisser le temps d'en Ouais. parler à froid et de pas trop s'énerver comparé à ce que j'ai pu faire sur Twitter. Et sache que je Pas me suis pris un déferlement de haine, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que ce sera marrant. Et puis du coup, revu après derrière. bah avec ça, c'est vrai que moi, pour le coup, comparé à toi, j'ai pas chômé parce que j'ai quand même fini, bah du coup, Obi-Wan, j'ai fini Peaky Blinders, donc je vais pouvoir parler des deux séries. Incroyable. Et à côté de ça, j'ai vu J'ai deux fini films, Stranger Things. voire... J'ai fini Stranger Things. Ah, bah tu vois, tu me l'as pas donné, on va quand même pouvoir parler de En fait, Stranger Things bah aussi. après, ouais, mais parce que c'est vu que c'est des séries, tu vois, tu demandes des films, Oh, bon, ça on oublie pas, marche. mais. On accepte En vrai, tout. j'ai fini Obi-Wan, j'ai fini Stranger Things Ouais, pour c'est vrai. C'est l'instant, vrai que je t'ai et du pas fait coup, j'ai Obi-Wan. regardé. J'ai été con. Ça, et puis. Bon, c'est pas Ouais, c'est grave. pas grave, De c'est toute pas grave. façon, on en parlera. Et puis, bah, moi, j'ai quand même vu deux films et peut-être trois si on a le temps. Ou sinon, je me le réserve pour la semaine pro. Vous comprendrez vite pourquoi. Pas de soucis. Donc, du coup, les amis, bah, si t'es chaud, on peut commencer par les actus de la semaine, tout simplement. D'ailleurs, fun fact, je viens de recevoir la notice du live, frérot. Voilà, Ah, c'est tout. incroyable! 2 minutes. Putain, mais Voilà. tu vois, moi je l'ai même pas reçu, donc c'est pour te dire. Un peu de sérieux. Enfin, Ouais. c'est pas grave. Bon, bah, c'est parti pour l'actu. Si ça Parti. fonctionne, jingle. Oh, ça fonctionne. Ah, par contre, il y a ta cam qui a un petit souci technique. Hop, c'est mieux. Voilà. Même quand ça fonctionne pas. Allez, let's go. Le J'en peux con. plus. En tout cas, Oh, n'hésitez le pas à nous con. dire simplement, parce que oui. Normalement, je pense que ça va être beaucoup plus fluide et qu'il n'y aura plus de soucis techniques parce que j'ai un nouvel ordinateur, un truc du feu de Dieu. D'ailleurs, le mien, mon ancien, vous voyez, est juste Ouais. là. Il est en vente avec un petit jouet de pamplemousse. Voilà, vous l'avez en décor. Si jamais le chat vient, elle sera soit au-dessus de ma tête, soit par terre. Donc comme ça, au moins, c'est le plaisir Oui, mais d'offrir. attends, mais je viens de voir ce qui vient de se passer là. C'est bien ce que je crois, moi, tout Il y a ça eu un là. changement de Il dispositif. y a eu un changement de Bah oui, dispositif là on a dans le enlevé le décor. Oh bureau de putain. madame. Ah, Ah, rip le rip le PC, vieux PC. Il réclame-moi, hein, mec. avait Hein. pile C'est pas un 10 ans PC, cette hein. année. C'est pas un PC, frérot, c'est un frigo. Ah Avant, oui. c'était un ventilo. Ah Moi, mec, c'est la là, pire frigo, ils t'imagines faisaient pas tout. à quel point ce Ils nouveau faisaient PC, c'est un pur plaisir. lave-vaisselle, ils faisaient machine à laver, ils faisaient la Ah bah, totale. il faut... Je te là, jure, c'était exactement. n'importe quoi. Et du coup, les amis, bah, comme vous le savez, et en même temps, c'est moi qui l'ai lancé, et mes copains chroniqueurs ne sont pas au courant, j'ai lancé un petit Ah. truc qui me plaît bien et qu'on va lancer toutes les semaines. Ah C'est oui, le j'ai vu ça sur duel. Twitter. Et donc cette semaine, Ouais. on s'est amusé à faire un duel sorti de la semaine parce que j'ai vu que ça a parlé beaucoup, que ce soit du nouveau Pixar, Buzz l'éclair ou alors Elvis. Donc on vous a posé la question simple, lequel entre les deux vous avez le plus envie de voir? À l'unanimité, 7 votes contre 0, tout le monde a répondu Elvis. J'aurais dû préciser envie de voir effectivement parce que ce qui fait la différence, je pense, c'est que Elvis a d'excellents retours et les gens du coup l'ont beaucoup aimé et Buzz l'éclair plus mitigé. Donc je pense qu'on a eu plus de votes de
Elvis est meilleur que Buzz que réellement la hype. Donc c'est vrai que la question, si on l'avait posée il y a un mois, je suis pas sûr que la réponse aurait forcément été la même et qu'il y aurait autant eu une branlée. En tout cas, aujourd'hui, au En vrai, moment où pas les deux sûr, films sont hein. sortis, il y a une belle branlée de la part d'Elvis. En vrai, mec, pas sûr parce que Buzz l'éclair, enfin, je veux dire, je pense que oui, Elvis, dans tous les cas, était devant, même si tu l'avais fait un mois avant, parce que honnêtement, la hype de Buzz l'éclair pouvait être là, mais même les gens de notre génération qui ont kiffé Toy Story, mec, enfin, honnêtement, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui étaient si hypés que ça, tu vois. Ouais, mais un 7-0, ça fait gros quand même. Tu vois, un 100%. Ouais, oui, mais parce que voilà, je pense que soit les gens, c'est pas, ils s'attendaient pas à voir des graphismes aussi différents que ça, tu vois, parce que même moi j'ai été Ouais. surpris de voir autant les graphismes changer à ce point-là, tu vois, elle a plus du tout la même gueule. Ouais, tout totalement. Même Romain, elle a du coup, je pense que ça pouvait décevoir quelques personnes, moi ça m'a un petit peu déçu, mais bon, je pense que la hype, voilà, en vrai, je pense que, ouais, c'est sûr que la 100-0, enfin 100%, c'est chaud, mais bon, après, voilà, Ouais, je c'est sûr comprends qu'on que aime Elvis votant, soit on n'a pas au-dessus, les stats. mais de là à faire une aussi grosse Vote, ouais. branlée, je trouve ça quand même dingue. Ouais. Il y a 7 votes, 7 Elvis, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Bon, enfin bon, bah de du ouf. coup, Ouais, mais en même temps. pour ma petite surprise, si jamais mon avis vous intéresse, on verra à ce moment-là. Je suis allé voir les deux. J'ai vu Buzz l'éclair. Ah, t'es allé voir Buzz Ouais, Éclair, donc je l'ai pas compté, j'en parlerai peut-être que la semaine pro. Et d'ailleurs, Epic Hunter qui nous dit pour cette semaine, c'est Arthur Malédiction ou Decision to Live. Ne t'inquiète pas, on en parlera pendant le live de Arthur Malédiction. Et sachez que j'ai très envie de voir ce film, mais on en parlera d'ici quelques instants. Voilà, c'était juste un petit de peu fou. pour la petite blague. Mais en tout cas, voilà, donc là, on l'a fait sur les sorties de la semaine. Mais juste pour vous dire, donc n'hésitez pas, hein, c'est aussi pour les petits coups de pub Twitter. Toutes les semaines, du coup, on va vous poser une petite question. Vous devrez choisir entre deux films. Ça sera pas toujours la sortie de la semaine, ça sera aussi, et d'ailleurs ce sera même le plus souvent, je pense, entre deux films qu'ont vu les chroniqueurs. C'est-à-dire un petit peu aussi pour voir où est la température avant de lancer un live. Je vais par exemple lancer ça les dimanches soirs avant les lundis. Je pense typiquement si on avait choisi cette semaine, bon, c'est pas le bon exemple, mais t'as pas vu de film, mais bon, imaginons on aurait dit la semaine dernière, on aurait pu faire par exemple un Pirates des Caraïbes 3 par rapport à, je sais pas moi ce que j'ai vu, bah tiens cette semaine j'ai vu Shrek 2, tu vois. On aurait pu faire une question, lequel vous préférez Ouais. entre les deux? Ça peut être intéressant de débattre un peu comme ça et de se poser la question entre nous. Enfin bon, on verra bien, mais en tout cas, ce petit truc sur Twitter, Vraiment. ce petit jeu, le duel, ça va nous régaler. Tu J'ai m'étonnes. vu et Je tu suis n'as allé pas voir. envie de voir ce film, me dit Epic Hunter. Bon, Ouais. on en discute juste après. Bon, en tout Il te cas, connaît trop bien, il te connaît trop bien. on va passer au sujet de la semaine. Alors, on va utiliser deux comptes. On va utiliser notre compte Ciné HD, hein, notre très bon confrère de Pelliculte. Et ensuite, on ira sur notre compte à nous, Pelliculte. J'ai regardé un petit peu et c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes actus des deux côtés, donc ça va être intéressant. Ciné HD parlant vraiment de cinéma généralement. Hein, comme vous le voyez, par exemple, là, il nous remet des affiches de Star Wars 3. Je passe, hein, vous voyez, mais je passe. On va vraiment s'arrêter sur les actus. Des images de Pandora, mais d'abord, d'une. Partie 2, bon déjà, est reportée, il Ah, devait ben. sortir durant l'été, il est reporté au 17 novembre 2023. Bon, ça, Ah c'est la pas vache. trop trop grave. Par contre, je sais Ouais, pas si t'as mais de vu, base c'était cet été. mais non, l'été prochain. Je veux dire, il est repoussé 3 mois, Oui. quoi, si tu veux. Il devait sortir en été 2023 et il sort finalement en novembre 2023. Mais je sais pas si Ok. t'as vu, c'est pour ça que je m'arrête sur Dune, parce qu'à la limite, la date de sortie, on s'en fout. Pour l'instant, c'est le film est déjà Ah, j'ai pas pas vu. fini d'être filmé, voilà. On a une Française qui a rejoint le casting. On a Léa Seydoux. Qui va faire partie de Dune partie 2. Ah, mais mec, j'ai l'impression que c'est toujours la même, les mêmes types d'acteurs en France qui vont à l'international, tu vois ce que je veux dire? Quoi? Bah, comment ça? Tu considères qu'elle est quoi comme type d'actrice? Ah, si, c'est actrice internationale, mais je sais pas, je trouve que c'est tout le temps les mêmes en France qui vont à l'international. Tu sais, ils font pas percer quelqu'un qui est très local, mais qui va pour une fois tenter un gros projet international, tu vois? Après, je pense que c'est chaud. Hein. Dune, c'est quand même un truc, faut avoir une petite renommée. Hein. Tu le vois, hein, les Ouais, acteurs, t'as mais pas Léa beaucoup Seydoux, d'inconnus. enfin. Hein. Moi, Léa Seydoux, mec, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Franchement, il y a mieux en France pour que Léa Seydoux soit là-dedans. Moi, j'aime pas cette actrice, hein, Ouais, je suis personnellement. d'accord avec toi. Hein. J'aime pas non plus cette actrice. Mais après, Je la faut trouve prendre pas en compte très deux bien. choses. Ouais. Déjà, je pense que le réalisateur s'en branle qu'elle soit française, irlandaise ou espagnole. Et de Ouais. deux, elle vient quand même de sortir d'un drame français qui, James à Cannes, Bond. même si c'est pas encore sorti, a eu des bons retours. De James Bond à Mais elle a fait deux James l'international. Bond, quoi. Bah Ouais. 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 C'est ça qui la lance, c'est les deux James Bond. Ils vont pas regarder ce qu'ils font, à ce qu'elle fait en France, Bah les mec. films d'auteur français, si, je pense que ça peut quand même jouer dans sa carrière, tu vois. Mais oui, les deux James Ouais, Bond vont forcément faire la diff. Hein. ok. Ouais.
Je sais pas, Et moi puis Gunter qui nous je. dit, elle est pas si Bah, mal, elle comme est info, assez tu vois, moi douce. je suis un peu déçu. Moi, je trouve qu'elle joue Un peu mal. déçu, Enfin, non. en fait, c'est pas qu'elle joue mal, c'est je trouve qu'elle joue toujours le même rôle. Cette gueule de dépressive un Ouais, peu elle est un peu mystérieuse. fatiguée, ouais. Un peu déprimée et tout, là. Elle a tout le temps cette Ouais. gueule déprimée et tout. Genre, même quand elle sourit, on dirait, quand elle sourit, on dirait, elle se force et genre. Elle est toujours pas heureuse, tu vois. Je trouve qu'elle arrive pas à jouer la joie ou la. Ou la reconnaissance, enfin bon, je sais pas, Ouais, je suis entièrement d'accord. j'ai beaucoup de mal, elle est tout le temps déprimée, je sais pas, Elle a joué chez c'est un Cronenberg feeling. récemment. Ouais, exactement. Elle a joué dans Les Crimes du Futur avec quand même notre très cher Aragorn. Qui est sorti là. Il n'est pas passé dans le Hein. cinéma à côté de chez moi, mais il est sorti là Ah oui, cette j'ai vu, semaine, ouais, à enfin la semaine Cannes, là, ils l'ont dernière. présenté à Cannes, non? Exactement, ouais, un film de David Cronenberg, qui est quand même un grand réalisateur du cinéma fantastique horrifique. Qui nous a fait Ouais. un film un peu un thriller psychologique futuriste avec bah. J'ai perdu son nom, mais celui qui joue Aragorn. Ouais, Viggo Mortensen là. Merci. Avec Viggo Mortensen, elle est assez douce dans les deux rôles principaux. Hein. T'es quand même pas sur un petit C'est film, vrai, c'est hein. vrai. Gros réal et deux C'est vrai. gros. Enfin, un acteur principal qui a quand même fait des grands films. En vrai, à voir. Après, bon, c'est comme tout, hein. On sait que de toute façon, les personnages principaux dans Dune, il y en a quatre. C'est le méchant, Chalamet, Zendaya et la mère, Rebecca Ferguson. Tous ceux qui vont arriver entre-temps pour le casting du 2, il y a même l'autre là, comment elle s'appelle Pug, j'ai plus son nom, la fille qui est en train de faire un gros buzz en ce moment là, qui a joué dans le dernier. Oh putain, Florence Pug, pardon. Je connais pas, je vois pas ces gueules. Ouais, j'ai pas vu de film non plus avec elle, donc ça m'étonne pas que tu vois pas. Elle a joué dans, putain, le dernier Edgar Wright, c'est celui qui a fait Baby Driver. Il a sorti un film l'année Salut. dernière qui a été acclamé avec aussi Anya Taylor-Joy, où elle joue toutes les deux un rôle Okay. principal dans le film. J'ai perdu le nom, et puis Hunter va sûrement nous le dire. Et du Ouais. coup, Florence Pugh, elle est en train de faire beaucoup, beaucoup de films. Là, elle va aussi sortir cette année un film où elle est en couple avec le chanteur des One Direction. Ils jouent tous les deux un couple dans un film en duo. Yeah. Voilà, donc Last Night in Soho, merci, voilà. Qui est sorti l'année dernière, qui a eu des retours exceptionnels, j'ai pas encore vu. Tu me connais bien, bah t'inquiète, Epic Hunter, on a vite compris. Hein. Enfin bon, bah on verra, hein. De toute façon, Dune, moi vous le savez, je l'attends énormément, hein. Je vais pas en reparler des heures. Mais voilà, il y a une petite Frenchie qui va dans cette grosse prod, j'avais quand même envie de le noter. Tout à fait, tu as bien raison. C'est une info qu'il ne faut pas passer. Bon, Et les on a images de beaucoup d'images qui Pandora ou. sortent du Seigneur des Anneaux. Ah bah La oui. série, bon, on va pas s'arrêter sur les images, je pense, hein. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a même plus qu'intéressé, ça m'a intrigué. Hugh Grant, dans la série Netflix que j'attends énormément, Chaos, Ouais. qui sera une adaptation sombre et Jamais, moderne de jamais, la j'ai pas entendu mythologie parler de ça, grecque. moi. J'avais pas entendu parler de ce truc-là, moi. Ah ouais? Ah si si, Netflix, Non. ça fait des années qu'ils essaient, qu'ils veulent faire quelque chose sur la mythologie grecque, qu'ils veulent le Ouais, lancer mais sous du la forme coup. de série. Et là, ça commence, ils en ont fait en gros un teasing il y a à peu près un an, enfin au Super Bowl de l'année dernière, donc de 2021, voire peut-être même 2020, Oui. je ne sais pas si avec le Covid il avait eu lieu depuis 2021. Et ils avaient commencé à le teaser, un projet sur la mythologie grecque de loin avec Netflix. Et là, ils commencent à balancer les acteurs, dont Hugh Grant, qui est quand même un gros acteur américain, Ouais, mais qui jouerait Zeus. du coup, est-ce que ça donnerait pas un indice sur la direction qu'ils vont prendre pour la série en mode un peu troll comique? Hugh Grant, ses films, c'est un peu ça. Hein. Ouais, C'est complètement. soit des films de love, tu vois, genre des films d'amour, ou soit des films un peu amour, mais c'est drôle, un peu Ouais, de la comédie romantique, humour hein. british, tu vois. Ouais. À la comédie, ouais, la comédie romantique british, tu vois. Qu'est-ce qui ça donne pas un indice sur le délire un peu de Zeus, un peu en mode Hercule le dessin animé, tu vois, Zeus il est rigolo drôle, il troll, il aime bien se marrer et tout ça. Je sais pas, ils disent Je une sais pas. adaptation sombre et moderne. Alors après, il y a aussi un truc, hein. Bah ouais. C'est Hugh Grant, il nous a fait récemment avec Guy Ritchie, il joue un journaliste un peu pervers dans The Gentleman, qui est sorti en 2019, si je me trompe pas, que je vous conseille. Hein. C'est un excellent film, moi j'adore. Et pour le coup, même si il joue l'humour dedans, il joue surtout plus la satire que l'humour. C'est-à-dire, c'est plus des punchlines qui vont avoir une connotation comique que réellement faire des conneries.
Je pense qu'il est surtout pris pour son charisme naturel et parce que Zeus, tu l'imagines toujours comme Hadès, Kratos et tout, vraiment assez âgé, tu vois, genre l'expérience, la sagesse et la puissance. Et Hugh Grant, physiquement, par son charisme et par son âge, du coup, pour le côté vieillesse, je pense qu'il incarne, je trouve qu'il incarne bien l'entre-deux. C'est pas le premier rôle que j'aurais pensé pour Zeus parce que j'aurais pensé à plus baraque et plus musclé. Mais sur le visage, je trouve qu'il peut avoir ce côté-là, en tout cas. Ouais, mec, j'aurais bien vu un Schwarzenegger bah, comme aujourd'hui avec la barbe grise vieillissant. Je suis d'accord. Moi, c'était le Alors, premier rôle moi, que je voyais. Moi, je voyais un Schwarzenegger en Schwarzenegger Zeus. en Zeus, c'était incroyable, tu regardes. Après, bon, il n'est pas aussi baraque que l'image, évidemment, parce que là, c'est pas humain. Ouais, bah Et en évidemment. gros, il est plus vieux maintenant, mais j'aurais bien vu un Schwarzenegger, tu vois. Il y a la carrure, même s'il n'y a pas les muscles dessinés. Il t'aurait le costume, un costume qui lui aurait scié, mais à ravir, tu vois. Genre, je sais pas. Un Schwarzenegger, j'aimerais bien kiffé. Ou même. Je parle de Neger, mais l'autre là, celui qui joue le père de Quill dans Gaza la Galaxie 2, il est connu lui. Ah, Russell Crowe. Ah, Non, Russell. ouais. Non, c'est pas Russell Crowe. Si, c'est Russell Crowe. Si, c'est Russell Crowe qui joue aussi, bah, qui va, bah, qui, lui, pour le coup, va jouer Zeus dans, dans Thor Love and Thunder, qu'on voit dans la bande-annonce. Ouais, Ah c'est non, ça. Kurt Russell. Putain, non, Kurt Russell, Ouais, pardon. Kurt Russell, Oui, ouais, c'est Russell je Crowe l'ai qui est dans Thor et c'est Kurt Russell qui est vu. dans... C'est ça. Pardon, ouais, je confonds Voilà, les deux. Oui, c'est vrai que le Kurt cœur Russell profil. pourrait aussi. C'est fou. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, j'avoue. Ouais, donc tu vois, bah, on aurait ressorti quand même Mais c'est pour ça, deux mais Hugh Grant, acteurs. moi, Hugh Grant, ça m'a un peu surpris, tu vois. Ok, donc toi, c'est pas forcément positif du coup. À voir, mais c'est pas la première Non, idée pas que t'aurais forcément. eue. C'est plus de la. Là, j'ai plus de la curiosité et de la surprise. Je suis surpris et curieux de voir ce qu'ils vont en faire, mais du coup, moi, je trouve que ça me donne un indice de la direction qu'ils vont prendre. Après. Peut-être Hugh Grant dans un rôle un peu de leader dans une série bah, drama sombre moderne, je sais pas comment ils vont faire. Bah on Ça peut verra. être surprenant, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le type de filmographique dont tu es habitué l'acteur, mais après on verra. C'est vrai. Après, sous la C'est forme pas d'une derrière série, ça. il y aura peut-être plus de discussions, choses qu'il sait faire, des monologues, etc., qu'il a été habitué avec de la comédie dramatique bien, bien Là. potache. À voir. Et puis peut-être qu'il veut aussi changer de direction pour la fin de carrière, hein. Le voir aussi dans une série et sur Netflix, c'est quand même quelque chose qu'il a jamais fait avant, tu vois. Il veut peut-être aussi changer son registre sur la fin de sa carrière, même dans The Gentleman, comme je disais. Il changeait déjà complètement de genre cinématographique, puisqu'il allait sur du film d'action thriller, bien survitaminé, alors que la comédie, ça a quand même un tendance à se poser beaucoup. Donc à voir. Mais moi, en tout cas, je t'avoue, pour l'instant, je suis pas contre, au contraire, et ce projet me hype de plus en plus parce qu'il donne des belles miettes. Ouais. Pour moi. Ok. Ouais, non, mais je suis d'accord. Tiens, bah un petit peu, l'été s'annonce, Universal Pictures qui annonce ses trois prochains films de l'été. Oh, pardon, excusez-moi. On va en parler un petit peu des trois. Bon, celui-là me donne pas du tout envie, je te l'avoue. Hop, hop, hop. Alors, attends, on reprend. Je vais Alors, voir les voilà. images, attends, je vais voir le retour là, trop Les bien. Mignons 2. Bon, là, c'est une image, c'est une image sûrement d'un truc d'un mignon. Mais en tout cas, on a Les Mignons 2. Il était une fois Gru qui va nous parler de l'enfance et du début de Gru avec Les Oh, Mignons. Après deux ou trois films, Moi, Moche et Méchant, et un film Les Mignons, si je dis pas de conneries, ah, ça il y doit a être lui trois le films Moche et cinquième. Méchant et un mignon. Mais moi, je pensais que déjà dans les mignons, c'était développé l'enfance de Gru, je savais pas. Alors en fait, à la J'avais fin de cru. Mignon 1, tu vois justement Gru arriver, mais t'as pas encore de discussion entre Gru et les Mignons. Tu vois juste les Mignons, Okay. c'est vraiment la dernière scène qui se mettent à le poursuivre en mode ça va être lui notre nouveau chef grand méchant. Donc là, ils te font un peu l'origine story de Gru par le biais des Mignons. Moi, je t'avoue, les Mal, trois mec. films m'ont bien fait marrer. Trois ou quatre, du coup, parce que je sais plus si Moche et Méchant, il y en a deux ou trois. Mais en tout cas, j'ai le souvenir du Il y en a 1, trois, du il y en a 2 et des trois, ouais. Mignons. Moi, je t'avoue, comme ça, en divertissement, film d'animation, si ça fait son taf, ça peut me plaire. Vois ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que j'ai regardé le 1 et le 2 de Moche et Méchant. Le 3, après, j'ai abandonné dans le sens où, bah, ouais, ça allait trop vite pour moi. C'est en mode, j'avais pas le temps de m'y intéresser vraiment plus que ça. Et Ouais. puis pareil, le film Les Mignons, il est sorti aussi pas très longtemps après le 3, ou l'inverse, tu vois, il y a eu le Mignon 1 et puis le Moche et Méchant 3 derrière. Ouais, Enfin, complètement. c'est enchaîné, du coup j'ai un peu abandonné le truc. Oui, c'est vrai que moi j'avais bien aimé le 1 et le 2. Genre, j'avais bien kiffé le délire, bah voilà, des méchants avec eux qui font les cons et tout. Et bon, c'est absurde, mais ça reste pas trop. Enfin, c'est abusé, mais ça reste pas. Ils en font pas des caisses, tu vois, je trouve. Ah, ou alors quand ils en font des caisses, c'est subtil, je sais pas.
Ouais, Là où les complètement. lapins crétins, je suis un peu moins fan, alors c'est le même délire, tu vois ce J'ai que je veux jamais dire. regardé les lapins crétins pour te dire. Si, moi j'avais un peu regardé et je trouve ça plus forcé, c'est bien débile comme les mignons, mais c'est plus forcé, tu vois, genre c'est moins subtil. Donc ça peut te donner envie. Ouais, mais en vrai, le problème, c'est que vu que c'est la deux, ça me forcerait à regarder le 1 et j'aurais pas forcément envie, donc Est-ce que ça se suit vraiment, franchement? je sais pas, mec, en vrai, j'avoue que non, je pourrais le En regarder comme as, vrai, mais mec, les mignons, c'est juste pour leurs phrases à la con, leurs conneries constantes. Et là, ouais. hein, voir un Gru vraiment tout enfant avec sa sale tête, d'où le moi moche et méchant, je pense que c'est juste du délire. Hein. Je suis pas sûr que t'aies besoin forcément de voir le 1. Hein. Oui, c'est sûr, mais je sais pas, c'est pas là pour le coup, c'est à peine une séance de ciné que je passerai en priorité, tu vois. Je comprends. Mais en tout cas, c'est dingue quand même de se dire que, pour parler plus globalement, on est quand même au cinquième film de cette franchise. Genre, ça a quand même super bien marché à Ouais. l'époque, Moi, moche et méchant, parce que Ah le mec, les film était produits un film qui se dérivés. contentait en lui-même. Hein. Et puis les produits dérivés, ils ont super bien Ouais. marché, des mignons. Ah, Les de enfants, ils ouf. en raffolent. Hein. Ah, en vrai, ils ont Ils trouvé ont le kiffé. filon. Hein. Hein. Ouais, et puis je crois qu'il y a même des parcs, il y a des attractions dans des parcs Ouais, d'attractions ça me dit quelque chose. sous l'effigie des mignons. Enfin, je Ouais, crois, un peu je comme pour les crois. Simpsons. Hein. Ouais, Pour bah te le dire, parce que je crois que c'est ça qui est comme il ça. y avait les lapins crétins, justement, je pense au Futuroscope, typiquement, qui avait eu les lapins crétins pendant un moment, je sais pas si ça y est encore, ou même pendant un moment, il y a eu Arthur et les Minimoys aussi. Ça y est toujours. Hein. Ça y est toujours, ça, Je je sais pense pas, à. ça fait 10 ans au moins que j'y suis pas Ici, allé. du coup, en Berlin, j'ai vu vite fait les vidéos et tout. Et les Minimoys, ça y est. Mais tu vois que ça commence à avoir une sale tronche. Hein. Ah ouais? Ah, puis le truc, c'est que les Minimoys. Oui, c'était sympa parce que c'est français, mais en soi, c'est pas non plus resté culte. Genre, c'est sympa sans plus, tu vois. Genre, c'est un beau 6 sur 10, quoi. T'es pas non plus sur des Ah non. chefs-d'œuvre. Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, moi je mets bien plus que 6 sur 10, Arthur et les Minimoys. Hein. Ah En ouais? vrai, mec, franchement, moi. Ah, mais moi, Arthur et les Minimoys, mec, je te jure, moi c'était. J'ai vu le 1, j'ai surkiffé. Genre, j'avais envie d'être dans le jardin, vraiment, tel jour d'août, là, je sais plus, c'est le 16 août, je sais plus quel jour d'août. Et genre, d'aller dans le jardin, mec, ouvrir le télescope sous la pleine lune, je te jure, à un moment, j'avais fait une soirée pyjama, je me rappelle, en primaire, en CP, gros. Je vais essayer de convaincre mon pote de faire ça, en mode vas-y viens on y va et tout, on fait un trou dans le jardin et tout. C'est vrai? Ok. Non, moi Ah bah tu j'étais. vois, bah moi Ah ça a moi pas j'étais eu autant transporté. d'impact. Pourtant, je me souviens être allé voir Moi quand même j'étais le 2 et le transporté. 3 au ciné, hein, pour te dire. Mais c'est pas resté à fond dans mon esprit, tu vois. Genre, j'ai un bon souvenir du 1 et le 2 et Ok. 3, je les ai quasiment oubliés. Moi le 1, tu vois, pour le coup, ouais, le 2, je l'ai oublié parce qu'il est très court. Il fait moins d'une heure et demie, 1h20, un truc comme ça, il est Ah très ouais? très court le 2. Putain. Ah ouais. Le 1 et le C'est 3 sont rare. beaucoup plus longs, mais le 2, c'est vraiment genre de la transition, c'est pas si ouf que ça. Ok. Et Peut-être à l'époque de mais la pour le mode 1, où mec, ils faisaient les films en deux parties, ils avaient peut-être un peu fait ce truc-là. un peu ça, je pense que c'était un peu les débuts. Ouais. Ouais, je pense que c'est On possible. a Hein. trouvé le seul fan des Et moi. Minimoys, nous dit Epic Hunter. Mais mec, c'est ouf par contre, C'est les gars, dingue! genre. Par contre, pour le coup, je pensais pas que j'allais être le seul là. Tu vois? Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui kiffe les Minimoys, hein, pour Ouais, le c'est coup. possible. En vrai, je me rends vraiment Mec, pas pour en faire une compte. attraction 4D. Ouais, Et mais je me dis, pour c'était l'avoir fait peut-être le une truc, attraction genre 4D. la fierté à la française qui avait percé, tu vois? Non. Non, non, je pense que ça a vraiment marché objectivement. Ah ouais, je m'en rends pas compte, à l'international, ça a fait ses chiffres. Parce que je trouve Ah, ça faut dingue quand regarder, même tu qu'on n'ait vois, mais pas eu de c'est film chaud. dérivé. Et Europacorp, tu vois, on sait que dans les années 2010-2015, ça a vraiment bien sombré et qu'aujourd'hui, bah, ils sont quasiment morts. Je me dis, si ça avait si bien marché que ça, putain, ils auraient fait des films dérivés à vois-tu voilà pour être sûr de faire un peu de renta, tu Ouais, mais vois. fallait pas en faire trop. Je pense que Besson, il s'est dit, vas-y, c'est une trilogie, point, tu vois. Il a Ah peut-être eu ouais, mais tu raison. vois, là, quand tu vois dans quel état Europacorp actuellement, enfin, c'est peut-être la pire décision Attends, il n'y qu'il avait a pas que fait, hein. ça. Ah oui, mais Europacorp, s'il y avait que ça pour Puis tu vois, soulever le truc, c'est pas terrible, tu vois. ouais, mais tu vois, ils ont Parce bien que tenté avec Taxi, t'as hein. qu'un truc. Ouais, mais si t'as qu'un truc pour relever la barre et que t'appuies que sur ce truc-là, après, ça s'effondre, tu vois. Faut diversifier pour que ça tienne. Pas que ça appuie sur un truc, tu vois. Ok. Non, Du coup, mais en très vrai, bien. Minimoys, je sais pas, je trouve qu'ils sont pas trop responsables de la Bah, chute du de coup, faut Europacorp. qu'on aille voir Arthur Malédiction ensemble, là, qui est sorti. Ah oui, bah mec, attends. C'est vrai que t'as moi l'univers des Minimoys, je kiffe de On ouf, hein, je en m'attends pas parle trop. après. Epic Hunter commence à spoil. J'ai gardé un petit moment pour qu'on discute de ce film et de nos attentes dessus. Ouais. On va pas trop en parler maintenant. Deuxième film de l'été, Nope. Troisième film réalisé par. Oh putain, j'ai encore perdu son nom. À chaque fois, j'oublie. Putain, celui qui nous a fait Get Out et Us. Jordan Peele. Merci. J'ai retrouvé tout seul. Je me dis merci à moi-même. Jordan Peele qui revient avec son troisième film, Nope, qui a l'air d'être un film d'extraterrestre thriller épouvante. Qui, moi, personnellement, de toute façon, j'ai Ouais, c'est adoré ça. Get Out et Us, donc
Jamais 203, je pense que Y a pas de celui-là débat, tu vas aller sera voir, ouais. excellent. Ah bah, j'ai Y a pas eu pas de la débat. chance de découvrir Get Out et Us au cinéma, et je les ai découverts très tard, puisque c'est après la sortie de Us en Blu-ray que j'ai découvert Get Out. J'ai voulu me faire sa filmo dans l'ordre, Ok. avec deux films, hein, c'était rapide. Et Get Eh Out, ça a ben. été une claque. J'ai regardé Us, je préfère Us, je sais que beaucoup préfèrent Get Out, je pense que c'est aussi la hype où c'était son premier film et que direct il a explosé Oui. avec celui-là. Je trouve que techniquement parlant et juste sur le fond de l'histoire, j'ai une préférence pour Us. Ok. Eh Voilà. Mais je pense que ben. effectivement Get Out va être préféré par la généralité des gens, ce que je trouve pas forcément étonnant, mais c'est vrai que je préfère Us. Mais alors là, celui-là, ce film d'horreur extraterrestre, ah bah alors là, moi, il m'a pris dans sa poche et il m'emmène où il veut. Ah ouais? Ah bah moi j'y suis, hein. Le 10 août, J'avoue, j'y j'ai pas suis. vu Get Out et Us, ce genre de film horrifique, C'est un peu plus psychologique. thriller, Bon, hein, déjà, ça les fait films pas d'horreur. si peur. Hein. Franchement, c'est plus du thriller à la limite de l'horrifique, mais t'as pas des trucs qui sautent partout, t'as pas de. Ah, franchement, ça se regarde. C'est en gros, c'est en termes de trash, si tu veux, de manière globale, c'est un peu du Seven. Tu vois, c'est cette ambiance juste un peu macabre et pourrie tout le long du film, mais t'as pas de moments Ouais. frissons à proprement parler. Tu vois, c'est pas du Insidious ou du les dossiers Warren, la Conjuring. La conjuring, Ouais, ouais. c'est pas du tout le même genre. Ok. Ouais, après, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il faudrait que je les voie au moins une fois. Tu vois, Split, c'était pareil, Split, j'ai mis beaucoup de temps à le voir la première fois, genre Voilà, j'ai bah c'est un sauté peu sur dans le genre l'occasion parce Split. que. Non, non, mais ce genre de film, ça m'attire pas au premier regard, mais après, ça me. Attire par la curiosité que ça me procure, tu vois, derrière, quand je le vois passer, par exemple, sur des plateformes, tu vois. Par exemple, moi, je serais très capable pour un Get Out ou un Us de cliquer dessus par un soir si je cherche un truc à regarder, tu vois. C'est triste de dire que tu es obligé d'attendre. Je trouve ça hyper flippant. Oui, Us, oui. Mais c'est plus, je parlais plus de Get Out qui est plus entré en matière, on va dire. C'est vrai que Us est beaucoup plus dans le flippant. C'est peut-être pour ça que je l'ai préféré d'ailleurs. En fait, c'est qu'il est vraiment malsain, Us. Là où Get Out, c'est juste que t'as vraiment tous ces blancs racistes où en fait, constamment, tu es dans plus du malaise. Bah, lié au fait que, à moins d'être un gros con de raciste, ça peut que te déranger comme film, le comportement des personnages. Mais il est pas hyper flippant. C'est vrai que Us va plus dans le trip horrifique. C'est pas faux. Donc, ouais, Get Out pour découvrir le genre et tu fonces un peu plus loin dans les entrailles de Jordan Peele en enchaînant sur Us. Marche. Donc voilà, ça c'est pour les petites sorties de l'été, on en parle maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une comédie qui soit les conséquences d'un plan à 3. Je sais plus si j'ai vu des actus passer aussi de Jamais mon je n'irai voir côté. Arthur Malédiction. Alors, ouais, Arthur Malédiction, du coup, c'est pour ça que j'attendais. On va se prendre un petit peu les images, on va en parler maintenant. Avant de te donner les avis, je sais pas si tu les as vus passer ou pas. Est-ce que ce film te donne envie et qu'est-ce que tu en attends? De quel film tu me Arthur parles? Malédiction, qui est sorti mercredi. Ah oui. Bah, honnêtement, oui, parce que j'ai envie d'aller le voir, parce que c'est l'univers. Techniquement, non, parce qu'apparemment, on n'est pas censé voir les Minimoys, mais. Comment dire? Ouais, si, un peu le monde quand il y a des humains dans les Minimoys, voir la baraque, ce délire de nostalgie en mode, ah, c'est la maison et tout. Et les acteurs vont vivre la même chose que nous, tu vois, genre en mode ah ouais putain c'était ça et tout, enfin comme si nous on y était, ils auraient la même réaction que nous on aurait, tu sais, si on allait sur les lieux du tournage, tu vois, en mode ah putain c'était là et tout, c'est stylé. Du coup moi ça me donne envie juste par la nostalgie. Après le style de film que ça va être, franchement à voir, parce que moi c'est vrai que c'est un truc que moi que je m'attendais pas du tout, en fait le style horrifique dans ce monde-là. Du coup moi ça me surprend de par l'annonce que ça a été et de la bande-annonce qu'ils ont pu produire, parce que je crois qu'il y en a eu deux des bandes-annonces d'ailleurs. Ouais. J'ai vu les deux. Un teaser qui montrait pas grand-chose et une bande-annonce qui montrait beaucoup. Ouais, c'est ça. Et Je du trouve. coup, je sais pas, je suis un peu mitigé en mode, est-ce que ça va pas être un truc un peu en mode pétard mouillé, genre bon, on te vend un truc parce que c'est l'univers, le décor en fait qui est sympa, mais que le film en lui-même va être un peu classique, je sais pas, je pense que ça peut être sympa à voir, mais
pas qu'il reste non plus dans les annales du film d'horreur. Alors, Après, tu veux que je te c'était fasse un avis rire? avant d'aller voir le film, tu vois. Ouais, mais t'as complètement raison. En gros, il y a eu les retours, puisqu'il est sorti mercredi, de beaucoup, beaucoup de gens qui sont allés le voir du coup hier et aujourd'hui. Ouais, sorti mercredi, ouais. Je veux qu'on aille voir ce film, quoi qu'il en soit. On va se trouver un moment pour aller le voir parce que je veux me faire mon avis de moi-même. Pour l'instant, pour l'unanimité des gens, et vraiment l'unanimité, c'est le pire film de Merde. l'année. C'est Ouais. en fait, si tu veux, le film dure, je crois, 1h30 générique inclus, donc il doit faire genre 1h20, quelque chose comme ça. Donc déjà très rapide pour un film. Et en fait, à ce qui paraît, la direction des acteurs et les dialogues sont catastrophiques, l'aspect horrifique n'y est pas. Enfin, en fait, Askip, c'est vraiment une énorme daube. Et il y a des gens, en fait, qui en rigolent, mais énormément. C'est-à-dire que vraiment, ils disent, mais si vous allez voir le film, allez le voir avec vos potes et tout. Genre, vraiment, les gens rigolent dans Ouais. la salle tellement, à ce qui paraît, c'est catastrophique. Donc, je veux Ah la vivre ça de vache. mes yeux. Je peux pas me dire que j'ai loupé Ah ouais. ça au cinéma. Parce que moi, pour le coup, et vous le savez, hein, les gars, hein, si vous suivez le. Bah, toi, tu le sais, mais pour ceux qui nous regardent, vous le savez, si vous suivez les lives depuis le début de Pelliculte, quand ce projet, juste l'affiche a été annoncée, j'ai une hype énorme. Parce que je trouvais que prendre un univers enfantin, faire grandir les personnages, grandir avec son temps et transformer ça en film d'horreur, je trouvais que le concept était exceptionnel et je suis à fond pour ça. Et ça me ferait vraiment chier si c'est mal fait. Parce que là, j'ai l'impression que les gens, il y a Mec. peut-être un côté où les gens leur tombent dessus en mode déjà de base. La plupart des gens n'étaient pas de mon avis. C'est-à-dire qu'ils disaient Arthur et Minimo, c'est pour enfants, faire un film d'horreur, c'est con. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas juste des Bien. rageux qui vont au bout et qui disent, oui, ils ont fait un film d'horreur dans un univers d'enfants et en plus, c'est un peu mal joué comme 80% des films d'horreur, faut dire ce qui est. Donc les gens crachent dessus, tu vois. Ah Donc ouais, à voir. Mais putain. à ce qui paraît, ouais, c'est pire qu'une énorme OK. merde. Hein. Genre vraiment, l'aller-retour, franchement, en 10 ans, allez, non, allez, en 4-5 ans, je veux pas aller en 10 ans, en 4-5 ans sur le Twitter ciné, et en 10 ans que je vais voir des films vraiment bien, que je m'intéresse beaucoup au ciné depuis que j'ai 12-13 ans, ouais, je pense à peu près, ça doit faire ça, ouais. J'ai jamais vu quelque chose comme ça sur ce film en termes de retour. En fait, c'est au-dessus de juste c'est mauvais. Tu vois, genre Morbius, comme nous disait Epic Hunter, Morbius, c'est mauvais. Tu vois, mais tu le sentais que ça allait être mauvais. Lui, c'est que t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va quand les gens en parlent. Mais vraiment, genre, En ni vrai, la mec, direction des acteurs, ni le temps, ni limite, tu le. me. Ouais. Limite, mec, tu me hype dans la négativité Mais pour aller oui, voir mais ce moi film. Parce aussi. que moi, la dernière fois qu'on allait voir un film mauvais, c'était Jurassic World ensemble. Et moi, je me suis tapé des barres énormes avec toi parce que je me disais, mais what the fuck? Et là, j'ai trop envie de recommencer, tu vois. Ah mais Je la suis chaud, même. tu vois. Ça me tue de rire. Mais après le truc c'est que Epic Vraiment. Hunter, genre, tu vois, moi c'est ça aussi où les gens je trouve ils ont pas de demi-mesure et vous parlez de moi sur les lives. Ouais. Comment les gens peuvent dire pire film cette année pour ma part? Oui, ok, éventuellement. On prend le cas des gens. Ce film-là, il est juste très mauvais. C'est-à-dire genre, la direction artistique est dégueulasse, les acteurs savent pas jouer, les dialogues sont mauvais. Et donc ça en fait par déduction un mauvais film d'horreur. Ok, très bien. Le film dure 1h20, donc entre guillemets, t'as pas le temps de te faire chier, parce qu'au moins ça doit Ouais. tous doit s'enchaîner très vite, même si ça le fait mal, ça s'enchaîne très vite, et ça te propose rien de plus que ça. C'est-à-dire qu'éventuellement, tu peux passer un bon moment si t'es entre potes, au pire des cas, t'as juste vu une daube d'1h20 avec juste un mauvais film d'horreur avec des mauvais acteurs. Au pire des cas, t'as pas pire que ça. Jurassic World, il y a un projet, il y a de l'argent derrière. Ça peut pas être pire que Jurassic World, et pire que ça, moi, mon pire film cette année pour moi, c'est le dernier Philippe Lachaud. Parce que le dernier Philippe Lachaud, en plus d'être un mauvais film et d'une mauvaise comédie, ça va te faire des blagues misogynes. Donc, dans un temps où il y a 7 semaines, on va pas parler politique, mais tu vois qu'aux États-Unis, ce qui s'est passé avec l'avortement, c'est une loi contre l'humanité, c'est indécent. Donc, quand tu vois que des comédies françaises fonctionnent en faisant des blagues misogynes qui sont à deux doigts de promouvoir la même chose que ce que viennent de faire les États-Unis, on se dit dans quel monde vit-on? Des blagues racistes, en veux-tu, en voilà. Homophobes, dans un monde où on essaie de te mettre en avant depuis, par exemple, 2014, le mariage homosexuel, le mariage pour tous, et qu'on a des manifestations tous les ans pour les personnes LGBTQI+, si je dis pas de conneries. Pour moi, ça, c'est un mauvais film. C'est un film catastrophique parce que c'est un film qui prône de mauvais messages. Putain, au pire des cas, c'est un mauvais film d'horreur. Très bien, ça vaut un 2 Oui, sur 20, bon. mais ce sera juste un mauvais film. Faut arrêter de dire pire film de l'année. Ça peut pas être le pire film. Je trouve. Pas faux.
Voilà, je voulais passer mon petit coup de gueule. Excuse-moi, Tristan. Mais bah tu vois, moi je savais pas qu'il avait été si mal reçu parce que voilà, j'ai pas eu le temps de me renseigner, mais ah, et s'il est sorti hier en même temps, compliqué, mais ouais, ok, mais du coup, moi ça me donne envie d'aller voir quand même parce que j'allais me taper des barres, c'était si mauvais que ça pour analyser le film et voir, tu vois. En vrai, je suis chaud, mec. Bah, avec plaisir. On y va Ok, quand tu ça veux. marche. Enfin, faut qu'on se trouve un moment, Marche. mais go. Ouais, mais on va se trouver, t'inquiète. Hein. Ok, tout pour. Très bien, monsieur. Eh ben, on se fait ça. Alors, on va passer à la petite actu suivante. Mais en tout cas, on vous en parlera dans les prochaines fois. Je pense qu'objectivement, pour moi, c'est le pire film. Pour moi, un film vraiment nul, c'est un film tellement mauvais qu'on peut pas en rire. Bah, on n'a pas le même avis, mais c'est pas grave. Alors, on a une bande-annonce pour. Alors, je crois que c'est un film ou une série. Non, ouais, c'est ça, c'est une série. C'est la Ah dernière ouais, saison c'est une de Si avec série. Jason Momoa, mais c'est une série Apple TV+. Ça spoil peut-être. Ouais. Si un jour on se la mate, moi, je te propose qu'on regarde pas. Ouais, ça marche, ouais. Bon, tout ça, The Boys. je t'avoue que ça n'intéresse pas forcément. The Boys, je The suis à fond Boys. dedans, c'est exceptionnel. Hein. C'est la meilleure série Ok. des trois. Hein. Ah la vache, ah, putain, faudrait que je vois ça. Ouais, je vais d'abord finir Peaky Stranger Things d'ailleurs, Stranger Things commence demain là. Le reste commence demain et là je vais pouvoir m'y mettre. Ok, bon en Bon. tout cas on a des. C'est vrai qu'on a des sacrés teasers hein, pour la dernière, pour le volume 2 de Stranger Things. Tu vois là je vois la petite affiche là. Tu nous en parleras tout à Elle est l'heure là. dans nos découvertes. J'avance Commence encore un demain. petit peu. C'est vrai qu'on a eu l'anniversaire de Tobey Maguire cette semaine. Il faut en parler Oui, c'est vrai. aussi. On a aussi eu Plus de une 50 piges. annonce. Alors je sais pas si on va la voir là. Je la cherche. C'était la grosse annonce que je voulais qu'on parle, sinon tant pis, on s'arrêtera. On a quand même eu la grosse annonce de la retraite à 91 ans de notre très cher ami John Williams. Ah oui. Bah voilà. Oui, À l'âge de j'ai vu une 90 image ans. avec Ridley, avec Daisy Ridley là, à Alors côté non, de du lui, je tout, crois. c'est avec Harrison Ford parce que c'est son dernier Bah film jamais vu d'autres des musical, images, ok. ce sera Indiana Jones Ok. 5. C'est beau. Sa C'est dernière beau, c'est BO sera beau. dans Indiana Jones 5. C'est con parce que c'est un film qui, je pense, sera pas forcément très bon. En tout cas, pour l'instant, ça sent mauvais. Après, bon, il était vieux et forcément, il était sur les films qui lui ont rendu Oui, culte, bah tu vois, c'est les Star ça. Wars, les Indiana Jones, enfin voilà, c'est ses sagas les plus cultes qu'il ait pu faire. Donc, franchement, voilà, c'est normal de conclure là-dessus. Je trouve ça bien, même si peut-être que le film sera pas si Oui. fou. Et encore, attends, on peut être surpris. Regarde le 4. Le 4, les gens l'ont descendu et pourtant, toi, tu le trouves pas si mauvais que ça. Donc, on verra. Tu vois, avec le recul, peut-être que le 5 Moi, j'avoue que sera le 4, correct. j'aime beaucoup. Donc, Moi, après. voilà. Donc, ça se trouve, le 5, tu vas beaucoup aimer Tout aussi. à On fait, sait mais pas. moi, je suis, moi, tu sais, moi, j'ai beaucoup de plaisir coupable à la con. Je te rappelle que j'aime Indiana Jones 4 et que j'aime Suicide Squad 1. Donc, à partir de là, je suis pas l'avis de Bah. tout le monde. Hein. Oui, certes, mais peut-être que pour toi, le 5 sera bien. Ah, Donc, tu verras. Au peut-être. moins, il y en aura un qui l'aimera, tu Bah, vois. moi, en Moi, tout ça se cas, trouve, j'irai le j'aimerais voir. aussi. On sait pas. On sait pas. Hein. Mais du coup, en tout cas, moi, je t'avoue, simplement pour un petit peu rendre hommage au bonhomme. Peut-être parce que Star Wars, effectivement, peut-être parce que j'ai une certaine nostalgie sur beaucoup de films des années 80 que j'aime, comme Indiana Jones, comme E.T., comme Star Wars, évidemment. Je sais qu'en ce moment, il y a une grosse hype sur Hans Zimmer qui est totalement méritée parce qu'il a révolutionné le cinéma des années 2005-2010 avec de grands sons. Je pense néanmoins que John Williams, c'est le padré de la musique des grands divertissements. Il a transformé des Un musique grands films orchestrale. en des films incroyables. Ces BO comme Hans Zimmer resteront gravés. Je ne sais pas s'il y en a un qui est au-dessus de l'autre parce que c'est deux styles différents. Mais moi, en tout cas, c'est peut-être entre les deux celui que je préfère parce qu'il fait partie des films que je préfère. Donc, en tout cas, moi, je voulais dire un grand merci à cet homme que je rencontrerai peut-être probablement jamais et que j'adorerais pouvoir rencontrer. Ça, je l'avoue. Tout le casting de Star Wars, moi je vais rencontrer, et que ce soit du staff ou les acteurs, tu vois, je vais rencontrer tout le monde. Ouais, bah à mon avis, de notre vivant, on va peut-être Oublié. pas en rencontrer beaucoup, hein. Non, c'est vrai. Donc J'aimerais voilà. bien les avoir connus de notre vivant. Il y en a, ils vont naître, mec, le lendemain de sa mort, ils se diront, putain, j'ai jamais connu John Williams, c'est un génie, tu vois. C'est Déjà, con. tu te dis qu'il y a des gens qui vont naître et qui vont jamais avoir connu John Williams, compositeur vivant. Déjà, là, ils vont naître, frère. Jamais ils vont pouvoir, ils ont reconnu de regarder des Star Wars au cinéma, tu vois. Oh, attends, je te rappelle Après, qu'il y en a un de ça dépend. Taika Waititi qui Oui. sort normalement dans un an ou deux. Hein. Oui.
Bon, saga Skywalker, voilà. Il est bon, il est bon. Voilà, on va dire ça, on va dire ça. Bon, et bah très bien. Bah, en tout cas, niveau actu, je pense qu'on est quand même pas mal du tout. On va On peut-être est pas mal. s'arrêter là. On verra bien si on Ouais. rediscute de 2-3 films un petit peu plus tard. C'est vrai qu'on a Oui. des annonces, un petit peu plein de trucs à droite à gauche, mais c'était un petit peu pour les grosses annonces de la semaine, les amis. Est-ce que t'es chaud pour qu'on passe sur nos découvertes? Ah, je suis chaud, mec. Allez, c'est parti. Vas-y. Découverte de la semaine, Balance ta les amis. sauce. La découverte de la semaine. Voilà, Putain, je c'est fais le bien mon jingle. taf, Ouais. moi. Jingle, je l'ai fait à voix haute. Exactement. Il y a ceux de la Oh, postlogie c'est que vous trick. allez peut-être rencontrer un jour. Peut-être, ouais, en espérant. Moi, je t'avoue que je rêverais de rencontrer Hayden Christensen. C'est triste à côté, alors que moi j'ai fini des séries, moi aussi, monsieur. Oui, c'est vrai, excuse-moi. C'est vrai que toi, t'es triste à Ah, côté, hein. triste. Dis, cherche-moi vite fait la fiche de Stranger Things, vite Ah, fait. sur le nouvel ordi, je l'ai pas. Putain, attends, je peux essayer de la Ah trouver. merde. Merde. Après, je peux broder si tu veux, mais. Non, je vais te la Comment tu trouver. faisais sur l'ancien? Tu faisais comment sur l'ancien? Non, tiens, 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 je te la trouve. Regarde, hop, hop. Que du coup, même quand c'était pas prévu, tu t'arrivais à les mettre. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Bah non, du coup. Merde, excusez-moi. Déjà, c'est ouf parce que avec ton ancien ordi, la cam, genre, je trouvais que ça laguait pas. Et là, je trouve que c'est encore plus fluide, toi. Ah ouais? Ouais, c'est giga fluide et tout. Hop, Déjà, je pense que ça doit regarde! te changer la vie. Hein. Changer la vie, en vrai. Regarde Oh, c'est ça! beau! Épique! Elle est pas parfaite, mais elle fonctionne! C'est magnifique. Incroyable. Bon, tu veux nous parler de. On fait quoi? On parle d'abord des séries qu'on a vues et ensuite des films? Ouais. Ouais, on finit par le film qu'on a vu en commun. Allez, vas-y, bah, je te laisse commencer. Parle-nous de Stranger Things, j'ai pas vu, tu vas peut-être réussir à me donner envie. Marche. Alors, je vais parler de Stranger Things, mais je vais pas parler trop fort parce que madame est en train de les regarder pour la première fois de sa life. Donc, je vais pas spoil. Ouais, bah oui, puis Juste la série étant parler en cours du. actuellement, vaut mieux que tu spoiles Ouais, pas trop. voilà. Ouais, c'est ça. Je vais pas spoil et puis juste parler du contexte et de mon ressenti surtout. Donc, voilà. Ah, il est fort, il est en train de me mettre Obi-Wan alors que monsieur a Dark Vador, ça c'est beau ça. Bah oui, Ça c'est le détail. je suis peut-être C'est le le côté détail du divin obscur. qui fait que cette émission est magique, quoi. Ah bah, Magique. exactement. enfin bref. Non, bah Stranger Things 4, bah écoute. On m'avait vendu la série comme bah, l'une des meilleures des trois précédentes. Franchement, je suis pas déçu. Ok. Je suis pas déçu du tout. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Victor, je me rappelle, je l'avais pas encore regardé, Victor en avait parlé, et il disait que voilà, c'est beaucoup plus sombre, plus horrifique. On voit que là, les enjeux commencent à monter d'un cran, et que on arrive à un stade final du coup de la série. Et bah c'est vrai, franchement c'est vrai, ça marche très très bien. Là pour le coup, tu sais ce que tu reprochais à la série en mode on n'avait pas peur pour les acteurs, bah là. La saison 4, ils te le font ressentir vraiment, où là, les acteurs, là, tu peux avoir peur pour eux, tu vois. Là, je l'ai vraiment senti, et c'est Et ça pour qui. autant, je te coupe juste 2 secondes là-dessus, après je te laisse continuer. Et pour autant, je vais pas citer de personnages, mais j'ai vu 3 grosses scènes de la série leak sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, si t'as pas vu une série ou un film dans les un jour où c'est sorti, t'as tout qui Ouais. apparaît partout, et Obi-Wan a été le Oui. pire pour ça, mais on en parle après. Et pour le coup, j'ai vu 2 scènes de Stranger Things qui ont l'air d'être les grosses scènes clés, l'une avec une fille. Pour pas dire le personnage et une avec un mec. Et à chaque fois, les deux s'en sortent. Donc ça m'a l'air d'aller vraiment dans la continuité, bien, bien narrativement, conne de Stranger Things, où Oui, ils ont mais. encore une fois une protection, un bouclier invisible autour d'eux, où ils ne meurent Oui, pas. mais non, là, pour le coup, avant, je pouvais être d'accord avec toi en mode, oui, là, c'est sûr qu'ils sont intouchables, tu crains pas, etc. Mais pour le coup, mec, là, ça s'effrite, tu vois. Le bouclier, il s'effrite. Là, tu vois qu'ils sont beaucoup plus vulnérables et que je chie dessus au premier visionnage. Pour le coup, moi, il y a eu quelques moments, je me suis chié dessus, le personnage. J'étais en mode, oh putain! Oh putain, ils sont capables et tout, et ils le font pas. Je suis Bah pas ouais. déçu parce que. Ouais, mais je suis pas déçu parce que du coup, je suis en mode, ah ouf, tu vois. En vrai, t'as pas forcément envie quand t'es à fond dans la série. Après, s'ils le font, bon bah, tu te dis waouh quoi. Putain de merde, en vrai, ils sont montés d'un cran incroyable. Moi, ils ont réussi à me faire tourner dans le sens où je suis pas déçu dans les deux cas pour l'instant. OK. Après,
Ah, j'avoue que j'en attends plus pour la partie 2, donc qui sort demain. On verra ce que ça donne. Mais là, en gros, ils te font comprendre dans la première partie que le bouclier, il s'effrite, tu vois, comme tu dis, le bouclier. Genre, en gros, potentiellement, il peut y avoir sale partie 2. Mais bon. Ok. Je n'en dirai pas plus, mais ils sont montés d'un cran et j'ai beaucoup apprécié. Après, voilà, ce que je reproche toujours à Stranger Things, c'est qu'à chaque fois, les débuts de saison sont assez lente. L'histoire, elle se met en place petit à petit. Ils aiment bien aller dans le détail. Bon, ils ont raison, tu vois. Enfin, voilà, tu veux développer ton truc, etc. Mais je pensais qu'ils allaient monter un peu la cadence en début de saison pour t'accrocher à chaque épisode. Le début de saison 4, on va dire que les 2-3 premiers épisodes, c'est redondant. Ça veut dire que tu as une fin d'épisode. Les fins d'épisode sont quasiment les mêmes pour les 3 premiers épisodes de la série, alors qu'il y en a 7 ou 8, tu vois. D'accord. Et là, tu te dis, putain, y a mieux à faire, tu vois. Genre, les. On appelle ça les. C'est pas les. Si, c'est des cliffhangers, un peu, Ouais, quand c'est t'as des ça. fins d'épisode en mode un peu suspense. Un cliffhanger, ils sont très très similaires pour les 3 premiers épisodes, et c'est chiant, tu vois. Et du coup, moi, je suis en train de me poser des questions, putain, les gars, enfin. C'est un effort, tu vois. Ok, il y a du suspense, mais là, le suspense, il est le même depuis 3 épisodes, enfin, voilà, vous saoulez, tu vois. Après, ça s'accélère, mais faut être patient. Mais le problème, c'est que quand t'es patient pour un truc que t'accroches pas vraiment, pour certains. Ah, ils abandonnent et du coup ils se rendent pas compte que derrière c'est bien, tu vois. Un Ok. peu à ce qu'a pu faire Obi-Wan. Bon, même si c'était pas bien le global, mais bref. Bon, je dis dans le cas de Victor, quoi. En gros, Victor, il Ouais, tout à abandonne un fait. peu vite, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais enfin, Oui, bref. tu Du coup, non, peux non. avoir une bonne surprise sur la fin. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour le coup, Stranger Things 4, bien parce qu'ils ont répondu à beaucoup de questions, même aux saisons précédentes qui étaient encore restées un peu floues. Ils ont répondu à pas mal de mystères et il en cache encore pas mal pour la partie 2. Donc, non, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Reste dans la continuité. Ils ont pris des risques en bougeant, en sortant un peu des États-Unis, tu vois. Ils sont allés un peu ailleurs, j'en dis pas plus. La saison 3, les gens qui ont vu la saison 3 enfin, savent que on commence à sortir un peu des États-Unis. Mais non, franchement. Moi j'ai bien aimé, et j'ai hâte de commencer bah, à partir de demain la partie 2 et de voir la conclusion. Je pense que Stranger Things là va faire parler sur les réseaux sociaux à partir de Ok, demain. très bien. Bah moi en tout cas, je Par te une le grosse vague. prédis, sans avoir vu ni cette saison-là et en ne regardant sûrement pas avant un long moment la deuxième partie, au vu des scénarios, Eleven mourra en se sacrifiant. T'auras un gamin dans le combat final. J'ai rien vu, hein, c'est que de la supposition, hein. Et Yeah. un gamin durant le gros combat final contre je ne sais quel nouveau boss. Sera blessé, tu penseras même pendant le combat qu'il est mort et finalement il s'en sortira et du coup l'ensemble des gamins survivront durant ce combat final et Eleven se sacrifiera Okay. pour tout le monde. Voilà. Okay. Je vois aussi un peu ça comme Voilà. ça, C'est tout, c'est clairement simple, c'est ce aussi. qu'on te dit depuis la saison 1 parce qu'Eleven elle est trop cheatée pour rester vivante jusqu'au bout, sinon c'est encore plus des cons que ce que je pensais. Et donc Non, ça mais je pense c'était que guidé et les gamins ils peuvent pas les tuer donc de toute façon. je pense que c'est l'idée. Après, à voir, il y aura peut-être des surprises. On n'a pas Peut-être, bon, mais bon et je bah tant demande que pis ça, si hein, c'est tu... décevant. Je ne demande que ça, mais en tout cas, pour l'instant, Okay. ça me donne Non, mais pas du on tout verra, envie. mais. Ouais, non, mais je comprends, on verra bien. On Bon, verra bien, on verra avant bien. qu'on parle d'Obi-Wan, je nous parle un peu de Peaky Blinders rapidement. Ouais. Mais spoil pas, j'ai pas vu non plus. Non, 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 il n'y a pas de spoil. Il n'y a pas de Ah ouais. spoil tout simplement parce que pour moi, c'est la meilleure saison Ouais. des 6 de l'ensemble de Peaky Blinders. Ouais. J'ai découvert Peaky Blinders parce qu'on me l'a conseillé. Je savais pas du tout si j'allais aimer ou pas. La seule chose que je savais, c'est qu'il y avait Cillian Murphy dans le rôle principal Je et faisais partie de tes conseillers, justement. c'est l'un de mes acteurs préférés. Je l'adore dans 28 jours plus tard. Je l'adore dans Inception et dans d'ailleurs la plupart des Nolan, même si malheureusement il a que des rôles secondaires. Vivement Oppenheimer l'année prochaine où il en a le rôle Et malheureusement, principal. il est même pas dans le meilleur Nolan, selon moi, c'est Interstellar, mais bon, c'est dans les genres. Ah, gros gros débat, gros gros débat, mais ça me plaît bien Ouais. ça. On pourra discuter un jour de Nolan parce que c'est quelqu'un qui fait vraiment polémique et dans le bon sens. Il fait polémique dans le Ouais. bon sens du terme. Donc Oui, c'est ça. voilà. Et du coup, j'ai commencé cette saison 1. J'ai vu l'acteur de Alan Grant. J'ai fait ça peut que être exceptionnel parce que j'ai adoré ce personnage. Et pour moi, la saison 1 était ma préférée pour l'instant.
J'ai beaucoup aimé la 2, j'ai beaucoup aimé la 3 avec l'arrivée du personnage du juif de Tom Hardy qui, Ouais, Tom Hardy. lui, est. Je crois qu'il arrive dans la saison 2, lui, hein, Tom Hardy, je Peut-être crois. un début de saison 2, mais je sais que son rôle principal était dans Ouais, la je crois, hein. 3. Ensuite, on a l'acteur du pianiste qui joue l'italien dans la saison 4. Et ensuite, on a, vous le savez, non, vous le savez pas, parce que c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé, il faut qu'on en parle un jour. Hunger Games, mon personnage préféré, et c'est uniquement dû au charisme et à l'humour Comment il très très s'appelle, bien c'est ça? interprété du personnage de Finnick. C'est Finnick, Comment il mon s'appelle personnage l'acteur? Merde, préféré de attends. Hunger Games, qui joue donc le nazi. J'ai perdu son nom en plus. Fasciste, fasciste, fasciste. Comment? C'est fasciste, c'est pas un nazi, Si, si, techniquement. si, si. Non, Si, ça. à la fin de la Le saison, parti fasciste anglais. Ouais, mais là, du coup, là, c'est nazi. Hein. Dans cette saison-là, je te le dis, c'est Ah pas du ouais? spoil, c'est nazi. Hein. Ils le sous-entendent dans l'autre saison, là, c'est clairement lui. Hein. Ouais, normalement dans la vraie histoire, dans la vie réelle, quoi, genre c'est le parti fasciste anglais, Ouais, quoi, tout c'est à pas fait, ouais, c'est nazi, parce ça. que c'est les Allemands, c'est le parti allemand qui est nazi, mais oui, ok, c'est la même direction politique. C'est ça. Alors, du coup, je vais vous Comment trouver il juste tout de s'appelle, lui? suite l'acteur parce que c'est Et dans Sam Before You aussi. Claflin qui joue Oswald Mosley. Pourquoi Before You? Putain, je confonds tout le temps, On a aussi c'est... effectivement Anya Taylor-Joy, pour ceux qui l'aiment, voilà, histoire de citer un petit peu le casting, mais bon, un casting exceptionnel pour l'ensemble de cette série Peaky Blinders. Moi, même si, évidemment, comme tout le monde, j'adore Thomas Shelby et j'adore le rôle de Cillian Murphy, j'ai quand même un gros, gros coup de cœur pour le personnage de Tom Hardy, du juif. Très sincèrement, c'est pour moi le meilleur personnage de la série. Parce que à chaque fois qu'il est à l'écran, il explose l'écran. À chaque fois qu'il est en duo avec Cillian Murphy, c'est pour moi les meilleures scènes. Et c'est encore le cas dans cette saison-là. Le personnage de Tom Hardy vient deux épisodes et il est juste exceptionnel. Mais vraiment Sam exceptionnel. Claflin, il s'appelle le gars. Ouais, c'est ça, ouais, C'est Claflin. je viens de le voir. Et Ok. du coup, pour moi, c'est la meilleure saison. Tout simplement parce que c'est déjà sur la période peut-être qui. Pour le grand public et donc moi, puisque je suis pas un féru et un fanat d'histoire, même si je regarde beaucoup de biopics, hein, il faut pas croire, mais je m'intéresse pas plus loin qu'eux. On arrive sur la période des années 1933, donc de la montée du nazisme et de AH, pour ne pas citer son nom, pour pas se faire bannir de Twitch par les bots. La montée au pouvoir de malheureusement le plus grand dictateur et le plus gros enculé de l'histoire de notre humanité. Et en fait, toute la série va tourner autour de ça et en parallèle autour de cette grande histoire avec un H qui est l'histoire des années 30-45, pour en parler largement. On a en même temps L'avant-guerre, quoi. l'histoire, ouais, l'avant-guerre L'entre-deux-guerres. exactement, l'entre-deux-guerres, ouais, pour dire même. On est vraiment plus sur le juste avant Seconde Guerre mondiale que sur Ouais, l'entre-deux-guerres. c'est Hein. là. 33, on est Ouais, vraiment c'est penché l'avant-guerre, sur. ouais, bah oui. Parce que Ouais. justement, toute la série sur ces points-là historiques va jouer sur le fait qu'il y a une ironie du sort pour les personnages, c'est que quel que soit leur choix et leur idéologie, on sait que ceux qui sont du camp fasciste vont gagner, quoi qu'ils en pensent et quel que soit leur doute, et Ouais, on c'est sait que ça. ceux qui sont contre vont perdre, parce qu'on sait que nous, Ah. les fascistes gagnent à la fin, puisque AH vient au pouvoir et va créer la Seconde Guerre mondiale. Donc en Ouais, fait, il y alors a après cette ça dépend dans quel ironie-là. pays, tu vois. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que quoi Dans... qu'il arrive, la série va tourner autour de l'idéologie fasciste. Et oui, Et parce que sur c'est ce vrai que dans point les de faits réels à vue-là, Londres, les faits réels en Angleterre et à Londres, c'est pas le parti fasciste non. qui était majoritaire, justement. On Je est crois bien d'accord. que en Angleterre, ils étaient dans les premiers à organiser, bah du coup, c'est là-bas que ça s'est organisé le débarquement. Ouais. La résistance, le call du général de Gaulle à la radio, c'était de Londres. Donc en vrai, c'était un pays encore vachement libre par rapport à ça. Tu vois, vous voyez qu'il n'y avait pas une majorité de On est bien fascistes encore. d'accord. Donc en vrai, Complètement. c'est particulier. C'est vrai que c'est particulier Ouais, Angleterre. mais c'est une ironie du sort qui est vraiment bien traitée. Et du coup, comme je disais, à côté de ça, la série va être peut-être la saison la plus intimiste, puisque là, on est Ouais. vraiment à Froide. 200% autour du personnage de Cillian Murphy, de Thomas Shelby, dans ses doutes, dans ses craintes, dans ses peurs, liées à deux événements tragiques. Un qui va arriver au début de la série. Je dirais pas comment, mais il traite de la meilleure manière possible et de la plus belle manière possible le décès de malheureusement l'actrice de sa tante, De Polly Gray. du personnage de Polly Gray. Le traitement dès le premier épisode est exceptionnel et c'est pour moi de tous les films que j'ai pu voir, ou films ou séries confondus, ou durant. Des films ou séries où il y a des suites et que l'un des acteurs décède durant le tournage, c'est pour moi le meilleur point scénaristique qu'ils ont fait.
au-dessus de Fast and Furious 7, parce que Fast and Furious 7, ils ont gardé l'acteur, puisque la plupart des scènes étaient tournées. Donc, je parle évidemment de l'acteur. Bah, tu vois, j'ai perdu son nom en plus. Walker. Paul Walker, Walker. merci. Où ils ont gardé 80% des scènes et ils ont fait du rajout numérique, mais ils ont fait un excellent Oui. hommage à la fin. Là, pour le coup, ils utilisent scénaristiquement la mort de l'actrice de Polly dans la série, et c'est d'une justesse technique et d'une justesse d'écriture, je te jure, ça m'a donné des frissons, j'ai jamais vu ça. Beau. Et il va y avoir un deuxième événement tragique, là j'irai pas plus loin, il n'y a aucun spoil, durant cette saison, tout ça autour du point de vue uniquement de Cillian Murphy, et du coup ce qui est hyper intéressant, c'est ces liens avec les personnages où toi tu sais pourquoi il prend chaque décision, mais que eux ne savent pas pourquoi, et du coup les doutes de ces personnages, c'est extrêmement bien traité, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien mis en scène, c'est... Pour moi, l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie, peut-être la deuxième, juste après Game of Thrones. On attend un petit peu plus de la fin, à voir si ce plus arrive. Et si ce plus arrive, normalement, ça a été annoncé sur soit un film des dernières nouvelles, soit une dernière saison après celle-ci. Si la fin est excellente, ça sera pas avec la même augure et le même niveau financier et d'épique, mais pour moi, dans mon cœur, ça peut peut-être passer devant Game of Thrones. Ok. Voilà, donc c'est du très Ah très ouais. très très haut niveau. Ah bah oui, là je Donc comprends. là, je conseille à tous ceux qui n'ont pas vu Peaky Blinders d'aller putain découvrir Peaky Blinders. Et pour ceux qui attendent cette saison 6 et qui l'ont pas encore commencé, comme toi, de foncer la voir parce que tu le mérites. Et pour la question Epic Hunter mieux que Breaking Bad, le seul souci c'est que Breaking Bad, vu que je me suis fait spoil l'entièreté de la série et des morts et conséquences de chaque acte des personnages principaux, je n'ai pas envie de regarder cette série. Voilà, donc je n'ai pas vu Breaking Bad. Désolé. En plus, je n'ai pas vu et c'est vrai que je n'ai pas envie de la regarder. Voilà. C'est fou Sorry. de dire ça, mais oui, j'ai beaucoup de monde qui l'a regardé autour de moi et en fait, ça a toujours entretenu la hype et je n'arrive pas à redescendre et ça me tente pas en fait. Bah c'est Alors ça. que je devrais, hein. Et ça me tente pas. Non, on devrait, mec, hein. Je pense qu'on va attendre un truc, honnêtement, je pense qu'on va attendre un truc parce que pour qu'il y ait autant de monde, pour qu'il y ait autant de monde qui nous en parle en bien, mec, c'est que voilà. Alors, J'ai jamais eu d'avis négatif à propos de cette série. d'un côté, je suis d'accord Quelqu'un qui avec l'ait vu, je veux toi, dire. et de l'autre, vu que c'est une série longue, si aujourd'hui je devais me lancer dans une série longue que je n'ai pas vue, j'en ai trois qui passent au-dessus de celle-là. Je veux finir Black Mirror, où j'ai vu que la saison 1 et un bout de la saison 2, Oui. donc ça me fait quand même pas mal d'épisodes. Je veux finir American Horror Story, où je suis même pas à la moitié de l'ensemble des saisons, puisque actuellement je suis à l'hôtel qui doit être la saison 4 ou 5 sur 8. Donc Ah voilà. bah, je crois que c'est la saison 5 parce que nous on a vu avec Combeline le cirque et je crois que c'est la 4. Ouais, donc c'est ça. Donc je suis un tout petit peu plus que la Donc moitié. ouais, t'as un tout petit peu au-dessus. Ouais. Nous on Et va bientôt reprendre surtout, quand on aura fini ce qu'on regarde. la prochaine grosse série que je vais me faire, s'il n'y a pas de truc entre-temps qui arrive, donc après tout ce qui va être Lord of the Ring et The Boys, parce que je veux laisser passer tout ça, Ah bah oui. j'ai envie de me faire Viking. Là, moi, ma hype, là, elle est passée, c'est Ah. dépassé. Et là, je suis à un moment où c'est plus je veux regarder Viking, c'est je vais regarder Viking. Là, c'est bon, c'est passé. Bien Faut raison, juste que mec. je m'y lance, mais que ce soit un moment où je sais que je peux enchaîner si vraiment ça me plaît beaucoup. Donc Franchement, tu vas peut-être voir. durant mon Moi, je te été. dis, j'ai kiffé les premières saisons, mais enfin, moi, j'ai trouvé que c'était incroyable. Après, je crois que je t'ai déjà dit, moi, j'étais un peu plus déçu du après. Ouais, tu m'as Qu'il y dit. a, il y a un moment clé, tu verras qu'il y a un avant et un après. Et moi, je suis plus déçu de l'après. Bon, le Que ça spoil manque de pas, mais quelque chose. sache que j'ai vu l'image, hein. Je sais que d'ailleurs c'est une mort où le personnage est Ouais. entouré de serpents. Tu verras. Oh, bon, je le Tu sais, j'ai vu verras. l'image, hein. Oui, mais moi je ne dis rien de plus. Je ne veux D'accord, pas pas de participer souci. à quelques doutes que ce soit, quoi. Mais en gros, tu verras. Mais je te dis, moi, un gros conseil, tu vas passer les meilleurs moments de la série au début. Hein. Ah Profites-en. bah C'est vraiment trop bien. je te crois. T'as pour 2-3 saisons, je crois. 3 saisons, ouais, je dirais. Ce qui T'as commence à faire quand même de pas quoi mal faire. déjà. T'as de quoi faire, ouais. C'est Alors pas mal. je pense que ça va être durant l'été là. Je vais m'y lancer juillet ou août. Oui. Ça dépend Ah, je crois de... que, eh ben, c'est quoi, je crois que Viking, j'avais commencé l'année dernière. Souvenir ce moment, ça fait quasiment pile poil un an que j'avais commencé. Ah bah tu vois, bah comme ça. Bah non mais il faut que je m'y lance. J'avais commencé à la même période, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On parle d'Obi-Wan tout de suite pour laisser passer le sujet ou on parle d'abord des films et Ouais, on si, finit sur Obi-Wan. Obi-Wan?
Moi, je suis chaud Obi-Wan maintenant, comme ça on va pas trop s'étaler non plus trop longtemps, tu vois ce que je veux dire? Parce que si on finit par Obi-Wan, je pense que ça peut durer Ouais. vraiment des heures. Ce Du coup, moi je pense qu'on peut que. faire Obi-Wan, on discute aussi longtemps qu'on veut, tu vois, mais vu qu'il y aura une petite retenue quand même, vu Ouais. qu'il restera Elvis, donc je me dis go En vrai, Obi-Wan, tu vois, comme tu veux. ce que je te propose même, ce qu'on peut même faire, c'est vraiment sans se couper, on donne chacun notre tour, notre avis, surtout qu'on n'est pas du tout du même avis, et surtout on va pas avoir les mêmes forces et faiblesses de la série, donc comme ça fait vraiment un point de vue global. Et après, si on veut en discuter, échanger sur 2-3 points à la fin, on le fait. Mais au moins comme ça, il n'y a pas de, on se répète, on, oui, je suis d'accord, oui, je suis pas d'accord, machin. Le ressenti. Ça Ce me qui va, ça me compte, va, c'est je le suis chaud, mec. ressenti. Tu veux commencer ou tu veux que je Que... commence? Tu veux peut-être finir Vas-y, pour faire commence, du commence, commence. positif? Oh non, vas-y, vas-y, commence, ouais, commence, parce que c'est tout le temps moi qui ai l'habitude de commencer pour les avis, vu que Allez. tu gères l'émission. Vas-y, vas-y, commence. Bon, il n'y a On pas veut. de souci. Vas-y, mec. Comme vous le savez, la semaine dernière, je vais refaire simplement un bilan global. Ouais. On en a parlé la semaine dernière et on a un petit peu essayé de tâter le terrain de cet épisode 6, donc du dernier épisode de la série Obi-Wan, puisque lorsqu'on a fait le live lundi dernier, l'épisode 5, on venait de le voir tous les deux durant le week-end et il ne restait plus qu'un seul épisode. Donc on a fait notre bilan assez succinct des 5 premiers épisodes et nos attentes sur cet épisode 6. Qu'est-ce qui pouvait se passer? Qu'est-ce qui pouvait nous donner envie de se dire bon, ça finit pas si mal? Et surtout nos craintes et quels étaient les pires choix possibles pour que la série, qui d'un point de vue global de nous deux était plutôt mauvaise, pour moi catastrophique et pour toi elle était plus près du mauvais que même du moyen. On va dire moyen moins de ton point de vue. Et Ouais, c'est donc, ça. dans les différents choix très mauvais qu'il pouvait faire, j'en avais soulevé deux et je vais commencer par ça. Le premier, c'était de ramener Qui-Gon. Et en plus, la manière dont ça a été fait, j'y viens, est la pire possible. Et la deuxième chose, c'était déjà que c'était catastrophique de faire s'affronter Dark Vador et Obi-Wan, c'était de le refaire. Du coup, pour parler positif, il n'y a qu'une seule chose de positive à retenir de cette série. Il n'y a qu'un seul moment. Et c'est marrant parce que ça date de cet épisode. C'est pour ça que j'avais jamais parlé positivement de la série jusque-là. C'est ce combat. Si tu enlèves tout de la série, si tu enlèves tout Star Wars et que juste tu apprécies un bon combat de sabre laser, le combat entre Dark Vador et Obi-Wan est un bon combat en lui-même. La fin est extrêmement mauvaise. La raison du combat est extrêmement mauvaise. Le fait même que ce combat existe est extrêmement mauvais. Ce sont les pires choix possibles. Mais si tu enlèves tous les points, le combat en lui-même est un bon combat. Je critiquais la semaine dernière le combat dégueulasse d'épée bleue sur fond bleu dans le combat origine entre Star Wars 2 et 3, entre Anakin et Obi-Wan. Et je critiquais le manque de mise en scène totale, que ce soit par les décors ou par la manière de filmer du combat dans cette vieille zone abandonnée avec une grue derrière, complètement impersonnelle, du combat entre Obi-Wan et Anakin, où on avait juste l'impression que c'était histoire de faire joli dans le noir avec des sabres laser. Tout ça n'est pas lieu dans ce combat-là entre Obi-Wan et Dark Vador. C'est un très bon combat où ils utilisent la force, chose qu'on a vue très très peu. Un combat agressif avec cet hommage à la série Clone Wars et en même temps la dernière fois où Obi-Wan voit les yeux de son apprenti. Mais ce combat ne doit pas exister. Je reviens dessus parce que celui-ci est pire à cause de son dénouement. Comme je l'ai dit, moi, le lore de Star Wars, je n'en ai rien à branler. Pour moi, de l'univers étendu, comme son nom l'indique, ça étend un univers. L'univers de Star Wars, c'est un univers qui a été créé dans la tête d'un seul et même génie qui se nomme George Lucas. Et c'est pas le fan de Star Wars qui parle, c'est le fan de cinéma. Je reconnaîtrai à jamais le talent de George Lucas parce que c'est peut-être le seul homme de l'histoire du cinéma depuis que le cinéma existe grâce aux frères Lumière dans les années 1896, que un homme est arrivé et n'a pas fait d'adaptation. Il avait tout dans sa tête et il a créé le meilleur univers possible. Le mec, il avait tout pensé. Il s'est basé, oui, d'anciens films, etc. Tout le monde s'inspire. Mais il a tout créé de A à Z. Son lore, ses personnages, ses mythes, ses combats, ses designs. Il avait tout dans sa tête. Pour toute la puissance qu'est le Seigneur des Anneaux, c'est basé d'un livre. Pour toute Ouais, c'est ce que pour j'allais tout dire. l'intérêt que peut Harry avoir Potter, c'est pareil. Ouais. Hunger Game est basé d'un livre. Pour toute la merde Harry Potter, d'adaptation pareil. qui est 50 nuances degrés ou Twilight, c'était des livres. Et tu nous disais, excuse-moi?
Harry Potter Harry surtout. Potter, Harry évidemment, bah oui, j'allais Potter, finir par lui. Harry c'est les Potter, livres. ce sont des livres. Game of Thrones, ce sont des livres. Oui. Star Non, Wars, c'est c'est vrai qu'il dans n'y a la que Star tête Wars d'un qui putain de définit. génie. Et en plus d'être dans la tête d'un génie, c'est le meilleur de tous ceux que je viens de vous citer. Et ça, c'est indéniable. Je ne parle pas en goût Ah, ça, personnel. c'est un avis personnel, mais je le Non, 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 partage. non, non, c'est indéniable. Ah, Ça a après? Ah, c'est révolutionné le le. Oh, cinéma. putain. Et en plus de révolutionner le Je le cinéma, partage. oh, Harry Potter n'a pas l'intrigue politique qu'a Star Wars. En fait, c'est que Harry Potter, c'est un incroyable divertissement. Mais Harry Potter, ça ne va pas plus loin que son médium de base. C'est-à-dire que tu n'as pas de sujet sur. Tu vois, typiquement, on aurait pu avoir quelque chose où Voldemort serait une sorte de personnification de justement AH, pour pas dire le nom, de Adolphe. Voilà. Oui. Il pourrait être, tu vois, quelque chose comme ça. Et du coup, tu aurais des sous-entendus à droite, à gauche sur les Mangemorts, donc éventuellement sur les SS, etc. Toi, tu aurais pu avoir ce truc-là où il y a un petit sous-entendu historique et donc ce n'est pas que un grand méchant d'une grande saga. En fait, ça va pas plus loin de Harry Potter, Voldemort, genre, l'univers de la magie. Par contre, l'univers qui est créé est exceptionnel. Et je critique pas Harry Potter. Je dis juste que ça va pas plus loin que Harry Potter. Star Wars, en plus d'être Star Wars, t'as tout un sous-entendu qui dépasse son médium et qui te fait une critique de notre société et de la Seconde Guerre mondiale où l'empereur, évidemment, la rébellion, tout ça, je vais pas les refaire. Star Wars, ça a été suranalysé par des millions de personnes. Mais voilà. Et puis Hunter, effectivement, nous cite Alien. Mais Alien, je ne l'ai pas cité pour une raison particulière. C'est que Alien, c'est l'association de plusieurs personnes. C'est-à-dire que l'alien en lui-même provient de H.R. Giger, le designer suisse complètement barré. La réalisation même provient de notre cher Ridley Scott pour le premier. Et le scénario a été créé par deux personnes qui ont collaboré ensemble, qui sont. J'ai perdu leur nom. Donc en fait, c'est vraiment une association de talents dans leur. Dans leur domaine particulier, de génie dans chacun de leurs domaines, qui a créé le film Alien et ses suites. George Lucas, il avait tout dans sa tête. À part, effectivement, peut-être la question des designs, où il s'est mis en collaboration avec des bonnes personnes, mais il avait tout dans sa tête quand même. Il n'est pas allé chercher des choses chez d'autres personnes qui avaient le talent dans ces points-là. Mais bref, ça, c'était pour Star Wars. Et donc, pour la réintroduire, Star Wars, c'est George Lucas. C'est Star Wars, c'est ses six films, et éventuellement les neuf, si ça n'avait pas été racheté par Disney, et que Lucas avait été au bout de son projet, et que le 1, 2, 3 avait été aimé à la valeur qui mérite d'être aimé. Et heureusement, on sent qu'ils sont de plus en plus aimés avec le temps. Et Hayden Christensen est le Ah ouais, premier à parce le que dire. c'est plus la même ouais, c'est plus les mêmes générations, c'est Bon, en c'est. fait le problème c'était ça, c'était même pas un... en fait on ressent que du coup avec le temps que c'était à l'époque même pas un avis objectif, c'était juste du gros seum de Oui, générations c'est qui ça. ont pas su apprécier un truc différent de ce qu'a pu être la trilogie originelle parce que ça racontait une autre histoire mais qui était en lien avec celle-là, tu vois. C'est ça. Là nous la différence qu'on a, c'est pareil techniquement, la postologie, on a une haine de ce truc-là, Non, non, mais non, je trouve non, la qu'on est plus postologie est objectif. objectivement mauvaise. Bah, gros, oui, mais on a quand même une haine de ce truc-là. Mais là où j'allais venir, justement, c'est qu'on a une haine de ce truc-là, mais ça reste en effet objectif parce que c'est mauvais dans le sens où il y a plein enfin merde, d'incohérences et de mauvaises mises en scène et comment dire, de mauvaises ententes entre les réalisateurs parce qu'ils n'ont pas été capables de se mettre d'accord, tu vois. Du coup, là, objectivement, nous, on a une bonne raison de dire que c'est mauvais, c'est qu'il y a eu des désaccords de scénario et que c'était objectivement de la merde, Ouais, quoi. tout à fait. Mais Toi. là où l'époque où la prélogie n'a pas été aimée, c'est que c'était juste du seum et de la haine de injustifiée de fans de la trilogie, quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais, tout à fait, Pick Hunter. Non, Du non, mais coup, on est voilà. d'accord, il est forcément bien entouré. Je dis qu'il est tout seul, c'est ce que je veux Oui. dire, c'est qu'il avait la colonne vertébrale dans sa tête et les détails, c'est Ouais. parce qu'il s'est aidé des bonnes personnes et les bonnes personnes l'ont bien Oui, conseillé. faut pas oublier Mais. le. Évidemment, on sait que très bien que par exemple Mace Windu n'aurait pas dû mourir de cette manière-là et que c'est l'acteur qui a voulu qu'il ait un gros combat contre Dark Sidious, que c'est Michael Ouais, c'est ça. Samuel Jackson qui l'a demandé. On sait que par exemple R2-D2 et C-3PO n'avaient pas du tout ces designs-là et qu'il a été aidé. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnages, la force, etc., tout ça était dans sa tête. Et le mec est juste un génie, en fait. Il est arrivé. Je le compare beaucoup. Moi, George Lucas, je le compare à Messi dans le football ou à Nadal dans le tennis. C'est un mec. Il a eu la chance d'être de tomber dans le domaine de sa vie. C'est-à-dire que vraiment, le mec, il est arrivé
à l'endroit où il devait être. Et du coup, il a tout révolutionné, il a tout raflé dans son domaine. Star Wars, il a créé un petit film qui sortait de sa tête avec des idées de suite et de prélogie, tout un arc complet dans sa tête, une colonne vertébrale d'un chef-d'œuvre. Le mec en a créé la plus grande saga de l'histoire du cinéma. Il a explosé tous les chiffres. Et aujourd'hui, tu le vois encore, Star Wars, que ce soit en produits dérivés, dans les films, dans les séries comme Obi-Wan, explose tout le temps, partout. Et tout le monde le veut. C'est plus que de la culture populaire. C'est de la culture tout court. Et bah pareil pour Nadal qui a révolutionné le tennis, qui sera peut-être jamais détrôné avant peut-être 10, 20, 30, 40 ans. Messi dans le foot, c'est exactement la même chose. C'est des mecs qui ont réussi, tu sais pas comment, à leur naissance, à comprendre quel était leur domaine. Ils ont été à fond dedans et ils sont devenus plus que des génies, ils sont devenus des dieux dans leur domaine. Et leur nom sera inscrit à jamais. Oui, j'aime bien faire du Ouais, parallèle avec le sport parce que j'aime bien le sport en c'est plus du cinéma. vrai. Ouais, là, il mélange ses passions pour donner ses avis. Non, Exactement. Mais du mais coup, ouais. l'univers étendu est censé être de l'univers étendu au médium de base. Et donc, la série Clone Wars le fait relativement bien, même s'il y a plusieurs défauts, mais je n'y viendrai pas parce que dans l'ensemble, c'est extrêmement qualitatif. D'ailleurs, il y a tendance que je déteste en ce moment à vouloir dire que le succès de Star Wars n'est pas vraiment dû à George Lucas, je trouve ça dégueulasse. Bah oui, mais les gens sont des no-brain, mais du coup, je vais y venir parce que en plus que la série soit mauvaise, le problème, c'est que les fans de Star Wars sont, malgré le fait que Star Wars a la plus grande saga, ils ont malheureusement la plus grosse communauté de fans cancéreux. Mais du coup, ça, j'y Ouais, viens. c'est ça. Et du Ça, tu coup. vois, le coup, c'est que maintenant que j'apprends ça, je ne pensais Ah pas que non, ça l'était à ce c'est les point-là. pires. Ah mec, mais et tu verrais, Je pensais pas que en c'était France, à ce c'est point-là, pas tu le vois. pire. Hein. Aux États-Unis, mec, il y a des pétitions de ouf. Mais t'as bien vu, hein, quand l'actrice asiatique, ils ont juste fait un mauvais Ouais. personnage. Mais la déferlement de haine qu'a s'est pris Rose dans Star Wars 8, elle a été obligée de désactiver tous ses comptes et elle était à deux doigts d'être en Ah non, ça, dépression. Ce je qui savais fait que pas. le Ah non, ça, je savais personnage. pas. Tu savais pas? J'étais passé à côté de ça, ouais, Bah, mais le tu vois. personnage a tellement été détesté que les fans ont fait des pétitions pour qu'il la retire, pour que le 8 soit refait et tout, etc. Ah Et du ouais. coup, elle a été obligée de désactiver ses comptes parce qu'elle recevait des messages de Ah mort, etc., comme quoi elle méritait pas la d'être dans un Star vache. Wars et tout. Et c'est pour ça que le personnage a été modifié parce qu'elle aurait dû avoir une intrigue amoureuse beaucoup plus importante dans le 9 avec Finn et qu'elle est Ah devenue un ouais. personnage secondaire que tu vois trois scènes dans le 9. Ouais, C'est pour ça mais que le encore une 9 est fois, une écouter les énorme fans, c'est merde. pas forcément une Parce que bonne le chose, 9, hein. en fait, c'est le gloubi-boulga, une sorte de mixture un mélange entre du vomi de Disney, Ouais. de la bave des fans, des mauvais choix des réalisateurs et des scénaristes, tout ça mélangé dans un mixeur et ça te donne un truc semi qui tient bancalement debout pour essayer de te rallier les choix du 7, les choix du 8 et te faire une fin semi-satisfaisante à cette trilogie. Et qui en même temps va pas déplaire aux fans, donc on te ramène des personnages qu'ils aimaient pour un peu calmer leur ardeur, et on t'enlève les personnages qu'ils ont détestés comme Rose pour que ça s'arrête. Et du coup, le 9, c'est pour ça que le 9 c'est un peu un canard boiteux, donc c'est objectivement une daube, et peut-être le pire des Star Wars, même si je trouve que le pire c'est le 7, mais objectivement dans l'écriture c'est forcément le 9, parce qu'il n'y a rien qui va, mais. Il pouvait pas être autre chose que ça quand tu vois le 7, le 8 et toutes les merdes qu'il y a eu autour du 7 et du 8. Donc de toute façon, voilà. Mais bon, on va pas parler de Star Wars dans sa globalité parce qu'on va avoir Oh des heures. On va non, parler de Obi-Wan. c'est ça. Et donc pour finir sur la question de l'univers étendu, quand on me dit une série ou un film ou ce que vous voulez d'Obi-Wan, c'est censé être Obi-Wan de l'épisode 3 et 4 de l'univers étendu. Donc on est censé avoir quelque chose qui va être cohérent par rapport à la fin du 3. Donc pas du tout un Obi-Wan dépressif qui a arrêté de s'entraîner, sachant que sa seule mission, c'était de protéger Luke Skywalker. Comment 10 ans sans s'entraîner sur la force en perdant tout et ses combats? Ça veut dire qu'à un moment, que ce soit au bout de 5 ans, de 10 ans ou de 15 ans, parce que Luke il a 10 ans dans le film, Protège donc pas du même tout à lui 15 ou quoi. 20 ans, Ouais. ça veut dire Pas que capable de le protéger demain, là. Dark Vador ou qui que ce soit, ou même un Sith, ou même un méchant tout court, un chasseur de primes, trouve Luke et lui veut du mal, Luke papy Vador. Obi-Wan, il est plus capable de se battre, il ne sait plus rien maîtriser au début de la série Obi-Wan. Le mec, Ah, il c'est a vrai, c'est vrai. complètement failli à sa mission. Le personnage de base de Obi-Wan que les fans disent tant aimer, c'est sa caricature dans cet épisode-là, dans cette série-là. Je parle du début de la série. Ensuite, il réapprend la force, tout ce que tu veux, parce qu'évidemment, 10 ans qu'il s'entraîne plus, le mec est devenu un vieux con, parce que c'est clairement ça, hein, c'est devenu un Luke Skywalker de l'épisode 8, c'est un copier-coller, hein, c'est les mêmes scénaristiquement, c'est exactement les mêmes, hein. Ils ont pris le scénario du personnage de Luke Skywalker, ils ont juste changé au début, il n'y a plus écrit Luke Skywalker 2 points, il y a écrit Obi-Wan Kenobi 2 points, c'est le même personnage.
vous me faites une analyse Ils ont de décimé les cheveux. Obi-Wan des deux premiers épisodes et de Luke Skywalker dans l'épisode 8, de tous ces discours arrêts, c'est les mêmes personnages désabusés Ouais, je suis qui ont d'accord. abandonné la force et qui se sont recroquevillés et qui ont abandonné leur mission. C'est-à-dire l'inverse de Luke dans l'épisode 6 qui devait refonder l'ordre Jedi et qui avait tout pour le faire. Et de Obi-Wan qui devait protéger Luke et qui a tout abandonné pour ne même plus être capable de savoir lever un caillou avec la force. Bref, deuxième défaut, donc ça c'est par rapport à l'épisode 3. Le deuxième défaut qui lui va venir sur les épisodes 3, 4, 5 et 6 principalement, c'est que, je le rappelle, Star Wars, épisode 4, la mort d'Obi-Wan, c'est durant un combat qui n'est, ok, peut-être pas stylé, mais qui est d'une idéologie extrêmement forte entre le maître et l'apprenti et qui est extrêmement bien retranscrit parce que quand tu écoutes ces paroles de l'épisode 4, qui, même s'il a mal vieilli, est le Star Wars le plus culte parce que c'est lui qui a fait devenir Star Wars ce qu'est Star Wars, tu as qu'une envie, c'est de comprendre cette phrase. Avant, vous étiez le maître et moi l'apprenti, ça a changé, mais tu as envie de vivre ce moment, de comprendre de quoi il parle, de voir cette époque où c'était l'inverse, de voir l'avant Dark Vador. Et quand arrive en 99 l'épisode 1, puis plus tard le 2 et le 3, et ce combat incroyable sur Mustafar, qui est peut-être le plus grand combat du cinéma, avec le plus grand discours d'Obi-Wan, qui est peut-être l'une des plus grosses répliques, l'un des plus grands monologues de l'histoire du cinéma, et je pèse mes mots quand je dis ça, pour toute personne qui a vu Star Wars 3 rien qu'une fois, ce moment lui est resté gravé dans l'esprit. Ce combat et ce dialogue à la fin, qui n'a pas eu d'émotion devant ce moment? Une personne qui n'a juste pas de goût, peut-être, ça peut arriver, ou une personne sourde, simplement. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, mais oui, évidemment, ils ont fait exactement, ils ont personnifié les paroles de l'épisode 4. Eh ben non, ils arrivent dans Obi-Wan Kenobi à te faire la seule erreur qu'il fallait pas faire, c'est te faire s'affronter Dark Vador et Obi-Wan pour que ce combat idéologique de l'épisode 4, représenté dans l'épisode 3, ne devienne plus qu'une péripétie. Parce que finalement, t'apprends quoi? Qu'ils se sont affrontés deux fois, puis trois fois, en l'espace déjà de 10 jours, hein, parce que clairement, il se passe 10 jours entre les deux combats, peut-être même moins, hein, il se passe Non, peut-être il y en même a que deux, il y trois en a deux, jours. il n'y a pas trois, trois fois, ils s'affrontent, il y a deux fois. Eh ben non, l'épisode 3. Puis les deux combats de ces épisodes-là. Ah oui, non mais Donc l'épisode 3 t'apprends c'est que... normal, tu ne comptes pas, parce Ah que oui, bah c'est la oui, chute excuse-moi. d'Anakin, tu vois, c'est Pas faux. normal, celui-là. Donc qui Non, s'affrontent non, pour le coup, deux lui... fois. Mais rien qu'une fois, c'est une fois de trop. C'est impossible au vu des dires de Dark Si, Vador et d'Obi-Wan dans l'épisode 4 ils auraient qu'ils se dû... soient rencontrés. Rien que rencontrés, fait, ils c'est auraient dû... impossible. Oui, ils auraient dû partir sur une autre direction plutôt que rendre... comment dire, rendre service aux fans. Ouais? Du fan service, quoi. Parce Bah que c'est c'est vrai que que du le fan combat service. d'Obi-Wan... Et du fan service, c'est vraiment dommage dans le sens où ils auraient pu partir sur quelque chose de beaucoup plus original et tout en entretenant un peu cette rivalité entre les deux hommes, mais sans s'affronter physiquement en fait. Je pense que c'est ça où Avec des scènes sur le ils auraient passé, dû faire. comme ils ont fait la scène qui est dégueulasse là avec épée bleue sur fond bleu, pour toute la dégueulassitude de mise en scène qu'est ce combat, bah il a un intérêt, il a un intérêt scénaristique ce combat, il est intéressant, Ah oui. il est mal retranscrit parce que la réalisatrice Deborah Chow ne s'est pas réalisée. Je comprends pas que Disney puisse Dégueulasse, recruter des mais tarpins comme ça. Tarpins, ouais. excusez-moi, je vais peut-être pas employer ce terme-là, des incompétents comme ça. C'est vrai que j'ai pas employé le bon terme, c'est. Enfin, tranquille, après, c'est Voilà. un truc de Lyon, hein. Ouais. C'est pas un truc Des universel. C'est lyonnais ici. incompétents comme ça, mais et incompétente dans son cas, mais voilà. Le problème n'est pas qu'elle ait une femme, c'est juste qu'elle a pas de talent. Ça, c'est juste ça la différence. Et du coup, pour moi, ils ont fait le pire truc possible, c'est de détruire encore un peu plus après avoir fait revenir dans Star Wars épisode 9 l'empereur et donc que la victoire. Déjà, le 7-8-9, il y a un problème, c'est que cette victoire totale de l'épisode 6 ne passe plus pour une victoire, mais comme en fait ils n'ont plus gagné la guerre, ils ont simplement une victoire lors d'un combat. C'est-à-dire que c'est plus la guerre qu'ils ont gagnée dans l'épisode 6, parce que le premier ordre revient, parce que tu apprends que finalement, pire que le premier ordre, l'empereur n'était pas mort. Donc ça veut dire que cet épisode 6 et cette victoire à la fin de Dark Vador et de Luke contre l'empereur et contre l'empire n'est plus d'avoir gagné la guerre et d'avoir vaincu l'Empire, c'est simplement d'avoir vaincu une péripétie. Parce que tu te rends compte qu'en fait, il y a un gros méchant encore plus fort qui arrive et qu'en fait, l'empereur n'était pas mort. Et en fait, ça dessert ta saga. Parce qu'en fait, tu fais rendre des événements importants banaux, banals, pardon, excusez-moi.
Et du Eh ben coup, nous c'est la voilà. même chose Ouais. pour ce qu'ils ont fait dans Obi-Wan. C'est faire se rendre le combat idéologique de l'épisode 4 encore un peu plus bancal, déjà que le film vieillit mal, malheureusement. Et c'est faire se rendre l'épisode 3 et le combat de l'épisode 3 non plus l'apothéose de la plus grande saga du cinéma, mais une péripétie. Et bah non, c'était pas le grand combat qu'on te parlait dans l'épisode 4, parce que des grands combats, il y en a eu deux autres. Et même encore plus, parce que je sais, et ça je le reproche à The Clone Wars, c'est pour ça que je dis que The Clone Wars n'est pas parfait. Enfin, pas The Clone Wars, mais à Rebels, ils se sont aussi rencontrés dans Rebels, Obi-Wan et Dark Vador. C'est pour ça que je disais 3 tout à l'heure, parce Ok. qu'ils se sont affrontés une fois dans l'univers étendu Rebels. Ah, Mais c'est ok, pour ça que je d'accord, dis ok. que l'univers étendu est censé être que étendu, parce que c'est censé t'apporter plus de détails sur des personnages que tu Ouais, là où ils ont apprécies. pris le risque. Là, ils ont pris le risque de mélanger univers étendu et la suite, enfin l'intégration dans les films, quoi. Non, parce que Rogue One le fait parfaitement, c'est un univers étendu, il t'étend un univers, quelque Bon. chose que tu n'avais pas Pour moi, besoin de non. savoir, tu n'avais pas besoin de voir en détail ils t'ont pris une phrase, ils t'ont pris une phrase, c'est on a des rebelles qui se sont sacrifiés pour avoir les plans de l'étoile de la mort, que nous dit la fille dans Oui, l'épisode ils en 4. ont fait un Et bah film. donc, Ouais, mais ils du en coup, ont c'est fait un pas film, univers ils ont fait... étendu, tu Bah vois. si, c'est de l'univers étendu, ils C'est. t'étendent ton univers, ils ont étendu Ah, une je sais pas. phrase, un événement. Et ils t'ont fait dans un film pour te raconter cet événement. Comme par exemple, Yoda, t'as juste une question. Moi, j'ai toujours eu une question et je me suis renseigné là-dessus parce que ça m'a toujours intrigué. On nous dit dans les 6 films, et principalement dans le 1, 2, 3, que Yoda, que normalement, il y a des pouvoirs qu'en tant que Jedi, tu ne peux pas avoir. Et typiquement, le contrôle des éclairs de force. C'est quelque chose que seul un Seigneur Sith peut avoir. Ça, on te le dit dans Ouais. l'épisode 3. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'épisode 2 et même dans l'épisode 3, tu vois que Yoda maîtrise ce pouvoir. Donc, la question que Non, tu te alors poses, non. Non, bah non, là ta bah, ma il logique est l'envoie pas, mais pas il arrive pour à il le maîtrise pas. réceptionner. Oui, mais il le réceptionne grâce à la force, mais du coup il ne Oui, mais maîtrise pas. juste. Il Non, il a le juste un truc renvoie. qui fait que. Il le renvoie au Oui, Count mais parce que Dooku. je vois. Oui, il le renvoie, mais parce qu'il maîtrise autre chose de la force, t'as un espèce de, je sais pas, de la force en mode le miroir, tu vois, Bah la donc, force oui, qui peut mais donc justement, aspirer, enfin on tu te peux dit aspirer des que trucs et renvoyer des ces trucs. pouvoirs-là, il ne peut pas les contrôler en tant que Jedi. Donc se pose la question, Oui, mais il qu'est-ce que... utilise ce qu'il peut maîtriser lui contre son adversaire, Oui, c'est-à-dire mais qu'il maîtrise pas justement, les éclairs, on te mais. dit que ces trucs-là, un Jedi ne peut pas les avoir. Donc si Yoda les a, même si effectivement on te pose Yoda comme étant le meilleur des Jedi, néanmoins on te le pose comme un Jedi. Il a beau être le meilleur, il ne peut pas acquérir ces choses-là. Et justement, dans l'univers étendu, tu apprends que Yoda, avant d'être un Jedi, a été plus jeune un Sith, pas un Seigneur Sith, mais a été un Sith. Et c'est là où il a appris ces Bon. pouvoirs-là. Et oui. Et Bah ça, tu vois, chouette. typiquement, c'est quelque chose qui, en film, m'aurait beaucoup intéressé de voir quelque chose sur la jeunesse de Yoda. C'est-à-dire un détail, on te montre que Yoda peut maîtriser des pouvoirs du côté obscur. Pourquoi? Comment? On te le montre dans un film. Un film sur la jeunesse de Yoda avec plein de nouveaux personnages où simplement tu peux pas t'inquiéter pour Yoda parce que tu sais qu'il est vivant, mais l'enjeu du film sera pas la survie de Yoda, mais sera comment il a acquéri ces pouvoirs que t'as là. Et donc, le film va te montrer on t'étend l'univers, on t'étend un détail plus ou moins important. Une phrase dans l'épisode 4 t'offre Star Wars Rogue One, qui est un excellent film parce qu'on t'a mis d'excellentes personnes dans chacun des points, dans la lumière, dans la réalisation avec Gareth Edwards et dans le scénario pour te faire une bonne histoire. Et par exemple, pour Yoda, chose qui m'intéresse parce que le personnage m'intéresse, pourquoi il contrôle des pouvoirs du côté obscur, il en connaît certains alors que normalement il n'est pas censé le savoir, parce que tu apprends qu'il a été Sith et qu'il a côtoyé le côté obscur. Avant de devenir Jedi, ça peut te donner aussi quelque chose de complètement Je savais pas différent ça. parce que du coup, tu te mettrais pour la première fois dans un film du côté obscur et là, tu verrais quelqu'un revenir du côté de Jedi. Ce serait hyper intéressant et ce serait ça l'enjeu du film plus que oh gnagnagna, on va te faire du fan service, on va te montrer que oh Yoda, et ben en fait, il y avait R2-D2 à ce moment-là aussi. Bref, je te dis n'importe quoi. Et bah Obi-Wan, ça aurait pu te faire la même chose. On te montre comment Obi-Wan a grandi sa force, parce que c'est ça ce détail qu'on te tease dans l'épisode. Et j'en viens à Qui-Gon pour terminer sur ce point, après avoir parlé de Dark Vador et d'Obi-Wan. Et j'en viens là-dessus sur ce qu'ils ont fait avec Qui-Gon. La petite chose qu'on te tease dans l'épisode 3, c'est ton maître a réussi à maîtriser la force de quelque chose qu'on n'a jamais été capable avant. Et ça te tease aussi le fait que Yoda et Obi-Wan ont réussi à apprendre cette force, puisque on les voit en tant que force bleue, enfin tu sais que corps de force dans l'épisode 6. Et donc ce qu'on te dit dans l'épisode 3, ton maître a été capable de faire quelque chose qu'aucun Jedi n'a fait avant, ce qui explique pourquoi Mace Windu, qui était très puissant, on l'a jamais vu en corps de force une fois qu'il est mort dans l'épisode 4, 5, 6, et tous les autres Jedi qui sont morts, c'est parce que aucun n'a été capable de faire ça. Qui-Gon l'a fait, et donc ce qui était intéressant dans la série, c'est de voir Qui-Gon arriver
Obi-Wan apprendre encore plus de la force et donc qu'on t'étende les pouvoirs des Jedi et de la force en lui-même, quelque chose de très centré sur Obi-Wan, de très personnel, moi c'est ça qui m'aura intéressé. On voit Qui-Gon apparaître, donc pas que du fanservice à la fin de l'épisode 4, où au pire moment possible, il est juste en train de se balader normal et Qui-Gon apparaît comme ça au pif. Au moment où il utilise le moins la force de sa vie, le mec il apparaît. Et excusez-moi, si Qui-Gon devait apparaître après une soi-disant victoire personnelle et une évolution du personnage, cette évolution, il l'a déjà à la fin du combat de l'épisode 3. Parce qu'il y a la même finalité à la fin de l'épisode 3 du point de vue d'Obi-Wan qu'à la fin de cette série. Pourquoi ? Parce que cette série est un copier-coller de ce qu'on a déjà vu. La même chose en moins bien, de la merde faite par Disney. Et donc, imagine on t'aurait fait une série centrée sur la force, où tu voyais le personnage utiliser la force, se protéger, protéger Luke avec pourquoi pas des chasseurs de primes pour changer un petit peu, l'arrivée de Qui-Gon, donc un peu plus de lien avec le pouvoir de la force et donc leur corps de force dans l'épisode 6, et donc voir aussi peut-être pourquoi pas Yoda revenir et des liens entre Yoda, Obi-Wan et Qui-Gon. Ça aurait été hyper intéressant. Non, tu le mets en fan service à la dernière scène dans une incrustation mal faite. Moi, de base, moi je suis en train d'avoir le bol de tourner autour. Non, mais après, moi de base, je sais que j'en ai un peu ras-le-bol de tourner autour de la saga Skywalker. Tu vois, on peut dire d'un coup que c'est fini, mais en fait, non, parce qu'on te fait des séries sur le personnage d'Obi-Wan qui fait partie de la saga Skywalker. Enfin, c'est redondant, tu vois. Moi, quand je vois des infos passer où on te tease des trucs du style, oui, il y aura un projet sur série Star Wars ou film Star Wars sur vraiment les premiers Jedi ou tu vois, les tout premiers à utiliser la Force et tout. Moi, mec, ça me fait trop plaisir de voir ça. Genre vraiment un truc genre vraiment historique, les origines de la force, tu vois, enfin tu viens de dire en fait genre un truc qui change complètement et où tu peux laisser libre cours un peu à ton imagination parce que t'es pas censé savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, tu vois. Et dans les films, c'est jamais exploité ou quoi que ce soit. Du coup, tu peux tenter de prendre des risques, faire des trucs, et puis ça peut rendre le truc sympa. Mon avis, il est là, tu vois. Moi, je pense que le concept de exploiter les personnages qu'il y a dans les films Star Wars, bah c'est bon, tu vois. Stop. Genre là, voilà, on a du contenu, on a ce qu'il faut. Maintenant, on passe à autre chose. On reste dans le même univers, mais on va voir ailleurs. Moi, il est là, mon avis, tu vois. Donc pour moi, Obi-Wan, c'est le dernier truc que je voulais voir dans cet univers. Bon, bah voilà, ils ont voulu pousser un peu plus la réflexion sur le personnage, sur comment il s'en sort après, les événements, la purge, etc. Bah voilà, moi j'ai trouvé ça très décevant au point de me rendre compte que en ce moment, petite parenthèse, je joue à un jeu Star Wars, c'est Fallen Order là, et je trouve que l'histoire de Jedi Fallen Order est tellement mieux faite que la série Obi-Wan. Et t'imagines pas le jeu The Old Republic, qui est un MMORPG avec des cinématiques. Tu peux, va t'amuser, incroyable. Et je vous le conseille à tous, si vous aimez un peu Star Wars, vous regardez les cinématiques du jeu sur YouTube, sans parler de la mise en scène qui est meilleure que l'entièreté de la série Obi-Wan. Ce qui est hyper intéressant, c'est les personnages qui te créent. Ils te créent des dilemmes moraux et des émotions de folie sur des cinématiques qui prennent 10 minutes d'histoire. Hein. T'as 10 minutes d'histoire sur un personnage en cinématique, c'est mieux écrit. Et ça procure plus d'émotions que juste vos nostalgies de merde sur « Oh gnagnon, on avait Hayden Christensen, on a vu sa gueule à moitié dans le casque cassé, et oh lolo, il s'est affronté le combat, non, il était cool. » Arrête, ça c'est stylé, ça, par contre. Oui, c'est stylé, mais c'est de la nostalgie pure, ça n'a rien de cohérent, ça n'a rien d'intéressant, ça n'apporte rien à l'univers, c'est juste... Mais non, mais c'est... Oui, mais c'est un détail, mais si, ça apporte un détail sympa quand même, pour le coup, c'est du positif, Mais attends, mais Obi-Wan qui le laisse encore une fois vivant à la fin du combat, c'est un copier-coller de l'épisode 3 en moins bien, on te remet ses yeux parce qu'on les a pas vus assez en train de brûler dans l'épisode 3. Oui, mais... Après, on tourne en rond dans le sens où ça, de base, c'est la faute d'avoir voulu faire un deuxième combat. Mais ça, on va pas le répéter 1000 fois, tu vois, on le sait. Mais ça fait partie de ça. À partir du moment où tu fais un deuxième combat, bah, tu sais très bien qu'il va pas le faire. Donc, c'est chiant parce que c'est redondant. Donc, faut pas partir sur cette idée-là de prime abord. Quand, en fait, c'est dans l'argument qu'on a de dire qu'il aurait pas dû falloir faire ça parce qu'après, ça t'entraîne trop de problèmes derrière et il y a trop d'incohérences ou de trucs mauvais. Enfin, voilà, c'est ça vient au même, on dit qu'il va pas dû faire ce combat-là, et oui, totalement. Et
Mais voilà, moi, pour le coup, le délire du casque pété, bon, après, c'est un avis personnel, mais moi, je trouve que c'était un détail, certes, qui n'apportait pas grand-chose, mais qui apportait quand même un truc très sympa à la scène de combat, tu vois. Je trouve que, voilà, c'était vraiment sympa. Mais après, pour revenir, voilà, à ce que je disais, en fait, le jeu vidéo, là, Fallen Order, pour y être en train de jouer, c'est tellement sympa parce que t'exploites vraiment une partie un peu historique de la force et tout, qui peut être développée. T'as une partie, genre, de l'Empire qui aura une mission à propos de ça et tout, enfin. Pour trouver une arme, ça peut être au cinéma un sujet un peu basique, en mode t'as un objet, bon voilà, ça tournerait autour d'un objet, d'une arme ou quoi que ce soit, tu pourrais dire bon c'est redondant, mais dans l'univers Star Wars, ça n'a pas été fait tant que ça, tu vois. Parce que l'étoile de la mort, ça pouvait être, mais c'était pas un objet, c'était vraiment une arme de destruction massive connue de tous, tu vois, là c'est un petit truc dans Fallen Order, mais juste de développer des trucs, voilà, qui sortent un peu de la saga Skywalker. Développer l'univers avec une réalisation sans trop superflu et trop de fan service, inventer votre histoire dans un univers qui a déjà tout à exploiter en fait. C'est moi c'est ça que je demande, tu vois. En fait voilà, moi je suis très déçu d'Obi-Wan. C'est pas catastrophique pour moi, il y a quand même du bon à retirer. Mais voilà, c'est vrai que par rapport au film, c'est très décevant. Et puis après bon, moi ce que j'ai d'autre à dire, c'est que bah ouais, c'est sans plus, enfin, c'est un truc qui se regarde, mais pas deux fois, quoi. Moi, je le regarderai pas une deuxième fois. J'attends de voir les projets qui suivent avec impatience. Et après, bah, si ça continue un peu comme ça, où Disney fait du fan service et continue un peu d'inclure la saga Skywalker dans d'autres projets, bah, moi, j'arrêterai là, tu vois. Je me dirais, c'est bon, ça n'a rien à y faire, c'est du fan service maladroit et voilà, tu en arrêtes. Mais ouais, j'en ai un peu marre, moi, du coup. Ça me déçoit et enfin voilà, ça me fait chier quoi, parce que c'est un univers que j'adore. Ok, Voilà. non bah on est quand même relativement du même avis. Mais oui, on est relativement du même avis. Je pense que je prends plus de pincettes que toi, mais on est du même avis. Est-ce qu'on T'es va très regarder la déçu saison 2 globalement qui va de. être annoncée? Non, je suis j'ai comme j'ai dit, je suis allé au bout de la série parce que comparé à Victor, je n'abandonnerai pas. Maintenant, c'est comme Je Stranger désirais Things pas. que j'aime pas. Là, c'est juste Stranger Things me plaît pas, donc je continue pas. Par contre, Obi-Wan, ça a tellement été une grosse déception que même si les retours sont bons, ça sera néanmoins continuer à vouloir te foutre les personnages. Et puis j'en discutais ce matin avec un ami, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? En soi, la seule chose qu'on va te proposer dans une saison 2, c'est juste on va te montrer Reva essayer de devenir une Jedi aux côtés d'Obi-Wan. À un moment, il va y Ouais. avoir un troisième combat contre Dark Vador, parce que de toute façon, Oh tous non, les acteurs veulent. Mais c'est si, bon. Christensen et Ewan McGregor eux-mêmes le disent partout. Ils disent qu'ils veulent reprendre leur personnage et qu'il y ait une saison 2 ou une suite, par quelque moyen que ce soit, pour qu'ils puissent Mais refaire les personnages. Ils vont juste faire un combat, un truc chiant. bateau entre Obi-Wan, Reva sur Tatooine. Un moment, tu ne sais pas comment, il va en raffronter au Dark Vador parce qu'il faut trouver le moyen scénaristique pour que Reva n'apparaisse pas dans le 4. Et dans ce combat en 2 contre 1, eh ben Reva va mourir, c'est tout. Alors il y a aussi là actuellement des rumeurs sur le retour de Dark Maul. Ça a déjà été fait dans Rebels et ça a déjà été très bien fait dans Rebels. Ça a beau être mon personnage préféré de Star Wars C'est fait en termes aussi de dans design. Solo. Ne faites pas revenir Dark Maul, je vous en supplie. Vador va revenir dans la série Ahsoka. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. On en discutera de la Oui. série Ahsoka. Là, c'est le traitement d'un personnage de l'univers étendu avec son propre lore. Ça n'a rien à voir et je ne sais pas si ça sera bien traité, mais c'est pas le même potentiel et ça ne détruira pas notre saga. Bon, sauf s'ils sont capables de te foutre Vador, de te le faire douter sur son pouvoir sur son sa haine, enfin son dévouement total au côté obscur. Si on commence à te faire un Dark Vador gentil, je vais encore gueuler un peu. Non mais après voilà, tu prends moins de risques à faire affronter Ahsoka contre Vador, On est d'accord. même avec la série de clones noirs, tu vois. Ça Tout à pourrait fait. pas être logique même. Ah bah complètement. Que voilà. Enfin bref. Donnez ça à des gens compétents ou ne faites rien en fait. C'est Ouais, juste ça que j'ai à ça me dire. plaît comme fin. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Essayez de pas prendre n'importe qui pour ce genre de projet parce que c'est quand même énorme. Ils savent très bien que les fans vont en attendre beaucoup. Ils savent très bien qu'il peut y avoir un déferlement de haine, etc. Enfin, je veux dire, t'es un minimum intelligent si tu mets ça entre les mains de quelqu'un qui s'y connaît et toutes les pensées qu'a pu avoir George Lucas,
Enfin, tu vois, genre même quelqu'un de son équipe, genre qui, enfin, c'est dommage, mais je pense pas que elle, Sandra Shaw, elle faisait partie de son équipe. Enfin, tu vois, Bah non, c'est une c'est juste réalisatrice quelqu'un sans talent. qui a apprécié, ouais, voilà, qui a apprécié Star Wars, qui a dit oui pour le C'est projet, pour ça vas-y, qu'il je faut prends le risque, qu'il rappelle machin. Gareth Edwards qui a réalisé Rogue Et... One. Ce mec est juste un dieu et un génie. Il a fait trois films, c'est Ouais. trois bons films. Ouais, je suis d'accord. Enfin, Non, mais bref. bon, on verra bien. Voilà. Très rapidement, Shrek 2, je me le suis refait. Il est passé à la Ah oui, télé Shrek 2. dimanche avant justement d'aller voir Buzz l'éclair, dont je parlerai lundi parce qu'il commence à se faire un petit peu tard si on veut faire une petite présentation Blu-ray et discuter sur la fin Oui. tranquillement d'Elvis. Donc je parlerai de Buzz l'éclair la semaine prochaine, les amis. Mais du coup, Marche. Shrek 2, toujours de mon point de vue, peut-être pas dans la réalisation, mais dans l'histoire. Et là, pour le coup, je parlais tout à l'heure de Star Wars, que ça transcendait le médium même du film et qu'il y avait un sous-entendu. Et bah Shrek 2 aussi, il y a beaucoup de plus sur le fait de s'accepter soi-même, déjà, sur le combat idéologique de Shrek et Ouais. Fiona, sur le fait aussi de dépasser ses parents et de ne plus forcément être dépendant d'eux. Donc le fait de grandir, en fait, tout simplement, et de devenir un réel adulte. Ça, c'est plus le dilemme de Fiona pour le coup, et puis bah tous les clins d'œil qu'il y a à toute la pop culture de base, c'est pour moi le Ready Player One des films d'animation, et c'est objectivement parlant sur la technique comme sur l'histoire comme sur le scénario comme sur les clins d'œil le meilleur film d'animation. C'est celui qui fait le Ok. meilleur entre guillemets rapport qualité-prix de tout ce que l'animation peut nous offrir. Et j'adore ce film. Et la musique aussi. La musique est excellente. I am a Ouais, c'est vrai. hero! Nanana. C'est vrai qu'en termes de parodie, etc., ils étaient très subtils et c'était vraiment drôle. C'était vraiment sympa. Je trouve Ouais, ça je m'étais excellent. arrêté aux deux là quand je m'étais refait les Shrek, j'avais vu le 1 et le 2. J'avoue que j'ai pas pensé à continuer à regarder le 3. Le 3, je me rappelle, je l'avais en DVD, c'est pas le Mais je meilleur, l'ai jamais mais j'avais vu. bien aimé. J'ai jamais vu le 3? Oh! Putain, ouais, faut que tu regardes. Bon, tu seras déçu, je pense, parce que c'est vraiment différent des deux premiers. Après, je suis pas. Mais Après, les trois. moi, pour moi, il n'existe que Shrek 2. C'est-à-dire que même le 1 en lui-même, je l'ai Ah très ouais, peu de fois quand vu même. et j'aime pas trop le 1. J'en ai vraiment un Il est souvenir très différent, moyen. c'était un peu le. Comment on pourrait appeler ça pour des séries? Le pilote, tu vois, le pilote. Et le 1, c'est les. Ouais, c'est le début, c'est de comment Shrek sort de son marais, tu vois. Franchement, si, c'est sympa à voir, comment il rencontre Fiona, etc. Même si, si c'est différent. En fait, dans le 1, il y a beaucoup moins de personnages, surtout ça. Dans le 1, en Ah fait, oui. et ils ont vraiment voulu centrer les personnages, bah forcément, pour un Ah, début Shrek d'une et l'âne, histoire, quoi. tu sens. Bah ouais, et puis Fiona, un méchant classique, et puis commencer à intégrer dans l'histoire de Shrek, bah. De donner aux spectateurs le délire de bah voilà, on va vous raconter en fait les contes que vous avez entendus dans votre enfance, mais en mode parodie. Donc, Ouais, c'est t'as ça. quelques personnages de contes connus, tu vois, les trois petits cochons, Blanche-Neige, Pinocchio, dans le 1, le petit biscuit. Ouais. Voilà, mais il y en a beaucoup moins que dans le 2 et dans le 3, tu vois. Après, ils augmentent le nombre de personnages, du coup, c'est sûr que c'est plus dur à gérer, mais quand c'est bien fait dans le 2, bah forcément, ça peut être que meilleur, tu vois. Ouais, on est Et dans le d'accord. 1, pour moi, les deux premiers sont, moi, c'est mes préférés, tu vois. Ok. Le 3, Pourquoi pas il est essayer de me refaire le 1, sympa. alors changer un peu d'avis dessus. C'est vrai que je te dis, hein, je l'ai vu Le il y a au 3, il moins est. Ouais. Le 3, il est belle note. sympa. Et moi, le 4, je le mettrais en 3ème position. Tu vois, je sais pas, je préfère le 4 au 3. Le 4, je trouvais bien le nain tracassin. Je le trouve vraiment méchant et tout. C'est bien dérangeant, je trouve. Ok, très bien. Bah, tu vois, moi j'ai vu ni le 3 ni le 4, donc. Ah, si, Ok, faudrait que tu bon, enfin regardes. bon, c'était voilà, très rapidement sur Shrek, je crois que j'en avais déjà parlé une fois. Ouais, Je me voilà. le refais souvent parce que je vous le dis, c'est l'un de mes films d'animation préférés. Alors, justement, c'est ça qui est marrant, c'est que je pense que c'est objectivement le meilleur. Par contre, j'ai des films d'animation, par nostalgie et par goût personnel, que je préfère. Typiquement, vous le savez, étant mon chien préféré, c'est grâce à ce film d'animation. Mon film d'animation préféré, c'est Dinosaur. Et le second, c'est Les 101 Dalmatiens. Donc voilà, mais objectivement, Shrek 2 est meilleur que ces deux films-là. Parce que les 101 Dalmatiens n'a rien de transcendant, à part éventuellement visuellement, comme les Aristochats, ce mélange 2D et limite dessin vraiment à la main, c'est sur les décors, avec les personnages en 2D au-dessus, c'est magnifique en relief. Les Aristochats, moi, il m'a toujours subjugué pour ça. Mais Shrek est objectivement meilleur que ces deux films-là. Hein. Franchement, il n'y a pas de débat possible. Différent, différent. Différent, effectivement. Très différent, mais oui. En tout Dans le cas. délire d'histoire et puis dans l'idéologie de la création de cet animé, c'est quand même sympa. De Ouais. partir sur un délire de parodie, franchement, Ah, complètement. c'est vraiment risqué et ils l'ont très très bien fait, c'est marrant. Bah, en tout cas, les amis, on va vous parler du coup d'un film qui est actuellement au cinéma, le
Ah ouais. Quatrième film, si je me trompe pas, de Baz Luhrmann, puisque son premier c'est Roméo plus Juliette, que Jean Blorey, et qui est un très bon film avec le très jeune DiCaprio à l'époque. DiCaprio. Une réécriture moderne du grand mythe Roméo et Juliette. Puis son Ah, second avant. film Moulin Rouge avec Ewan McGregor, comme quoi tout se rejoint ici. Une excellente comédie musicale sur l'histoire du Moulin Rouge à Paris et une belle histoire d'amour au milieu de tout ça. Et son troisième film, Gatsby le Magnifique, avec là un trio de folie, puisqu'on a Tobey Maguire Putain, j'ai perdu son nom. Et DiCaprio, de nouveau, pardon, dans les rôles titres. Et l'héroïne, j'ai perdu son nom d'actrice, mais qui est aussi excellente et qui joue dans beaucoup de grands films. Et il revient pour 8 ans, je crois, 8 ans ou 10 ans après, du coup, après Gatsby le Magnifique, il revient avec Elvis, un biopic sur la vie d'Elvis Presley, le grand chanteur des années, on va dire, entre 60 et 80 pour voir large, avec Austin Butler, qu'on a pu découvrir dans Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, qui vient pour Ok. jouer là Elvis, du coup, et Tom Hanks qui va jouer. Colonel, merde, colonel. Peters? Non, c'est pas ça? Et puis, J'ai attends, plus, je vais vas-y. regarder. Colonel, je sais plus quoi, qui va jouer en gros le directeur impresario et manager de Elvis Presley. Qui va le mener de petit chanteur Colonel qui perce Parker. rapidement, Colonel Parker, Parker, merci, ouais, pas Peters, désolé, Parker, tout simplement. Ouais. qui va passer de petit chanteur qui fait frémir quelques femmes durant un petit concert à star internationale jusqu'à la décadence d'Elvis Presley. Et la grande force du film, c'est que Elvis Presley a beau être son personnage le plus important. C'est que c'est le personnage de Tom Hanks et de Colonel Parker qui va en être le personnage principal, puisque tout va être de son point de vue à lui. C'est hyper intéressant. C'est, pour ceux qui ont déjà vu au moins un film de Baz Luhrmann, complètement dans la réalisation épileptique et survitaminée comme il sait le faire. Pour moi, c'est un grand oui. C'est l'un de mes films préférés cette année et j'ai envie de retourner le voir. J'ai adoré. Et la chose principale, c'est Austin Butler. Il Ah, il est transcende incroyable. Elvis Presley et il est vraiment possédé par son rôle et le film est vraiment pour moi une très grande réussite. Tristan, je vais te laisser en parler un peu plus parce que c'est vrai que toi qui connais Ouais. pas forcément le cinéma de Baz Luhrmann, je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue en détail. Eh ouais, bah je c'est vrai que je crois que c'est le premier film que je vois de sa filmographie, cet homme-là, je connaissais pas du tout. Mais déjà dans tous les cas, le principe des biopics, moi j'adore. C'est le genre de film que moi je kiffe parce que de base j'aime l'histoire en fait. J'aime bien ce qui a pu se produire par le passé, par des choses qu'on connaît, qu'on peut connaître de par différentes façons, différentes sources. Et le fait de créer des biopics au cinéma, moi je trouve ça incroyable et je pense que c'est un de mes styles de cinéma préférés. Je pense que ça fait partie de mes styles de cinéma préférés, les biopics. Et voilà, quand on touche à des stars hollywoodiennes ou bah ouais, des stars hollywoodiennes, que ce soit chanteur ou acteur techniquement, moi j'adore en fait, surtout quand c'est aussi bien raconté que le fait Baz Luhrmann dans Elvis, parce que voilà, ce film est pour moi pas loin du chef-d'œuvre du biopic en fait, parce que il a retracé la vie d'une star internationale qui est encore une star bien après sa mort parce qu'il est connu du monde entier alors qu'il a disparu quand même depuis un petit moment. Ça, quoi? 77? Il est mort en 77, je Je crois. crois que c'est ça, Ça oui. commence à très sérieusement dater. Et pourtant, les gens qui naissent encore aujourd'hui ou qui ont même qui approche l'âge de l'adolescence, voilà, connaissent Elvis Presley, même s'ils l'ont pas écouté, tu vois. Tu connais de nom, tu connais sa gueule, tu connais son style. Un truc de ouf. Alors, le gars, peut-être dans un siècle, il sera encore aussi connu, après un siècle, tu vois. Enfin, c'est un truc de fou. Et de faire un biopic aussi bien en retraçant de A à Z sa vie, ses succès, ses défaites, moi, c'est tout ce que je voulais voir, en fait, dans un biopic. Et quand j'ai vu la bande-annonce et le projet que ça allait pouvoir être, c'est tout ce que j'attendais, et quand je suis allé voir le film au cinéma, j'ai tout ce que j'ai voulu avoir en fait. J'ai eu mes espérances comblées, et ce qui fait que ce film, moi je l'ai adoré, et ça sera clairement un achat Blu-ray dans les prochains mois quand il va sortir, Sache que moi, parce il est que c'est déjà un film que. précommandé.
Ouais, c'est un film que je me referais obligatoirement en fait, juste pour avoir ce délire de allez, je me fais une dose d'Elvis, genre maintenant parce que le film est trop bien. Les jeux d'acteurs sont impressionnants. Austin Butler, il est sensationnel, genre il transcende l'écran, mais il crève l'écran comme never. Tom Hanks, toujours fidèle à lui-même, hein. Il n'a pas eu besoin de forcer, je pense qu'il a juste été Tom Il Hanks est juste naturellement. hyper talentueux, le mec. Voilà, il est trop fort dans n'importe quel rôle. Et c'est même pas juste surcoter l'acteur, c'est juste un fait, le gars c'est un génie du cinéma. Ouais. Et en fait le duo marche super bien parce que quand tu vois le film, bah tu dis putain, c'est quand même grâce à lui qu'Elvis en est là. Mais en même temps, on arrive à te faire comprendre que c'était une belle ordure. Et en fait, là où ils ont été forts dans le film, c'est un peu te tirailler en fait. Et te tirailler entre la raison, en te disant putain, c'est quand même lui qui a fait Elvis, voilà. Et en même temps, l'humanité, en disant merde, il est vraiment pas humain, c'est un putain de robot, quoi. Le gars, il est en train de le buter quand même, genre, il l'exploite comme jamais, c'est horrible, tu vois. En vrai, Et j'ai ça, vu. c'était une partie que du coup. Vas-y, Vas-y. excuse-moi. Et du coup, ça, c'était une partie que je connaissais pas trop de la vie d'Elvis Presley, parce que je m'intéressais pas plus que ça non plus au personnage. Je connaissais quelques musiques de lui et ce qu'il avait pu représenter dans la musique. Et le délire du colonel Parker, puis de comment ça a été fait, etc. Je connaissais pas du tout cet aspect-là, en fait. Donc après, j'étais allé m'enseigner plus tard après le film. Et je trouve que globalement, le film a plutôt bien respecté les faits réels, même si évidemment, ça reste une fiction. En fait, on va dire que je crois que le film, il est considéré comme un semi-biopic, semi-fiction, parce que ils ont pas mis les faits réels dans tous les sens du terme, mais ils en ont mis beaucoup. Comme Parce toujours, tu peux pas que. en 2 heures et demie relater 60 Ouais, ans de bah ouais, vie. c'est ça. Bah sinon, après, le film, comment dire, il va être peut-être moins bien accueilli parce que si tu mets que des faits réels, c'est peut-être moins édulcoré, la réalité. Oui. Et du coup, c'est moins intéressant à regarder, tu vois, parce que, bon, voilà, Évidemment. c'est moins attractif, c'est moins fantaisiste, quoi. Forcément, rajouter un peu de fantaisie, c'est toujours sympa et c'est ce qui fait que le film a très très bien marché, en l'occurrence, je pense. Ouais. Et du coup, ouais, franchement, un film. Et puis, ils ont été aussi dans le délire où c'est full musical. Moi, je m'inquiétais aussi de ça. Je m'inquiétais de me dire, ah, ça se trouve, en vrai, ils vont rien raconter sur lui. Ça va juste être des moments clés de sa carrière, ou voilà, c'est de la musique et tout. Mais même pas, ça n'a même pas été que ça. Ils ont réussi à faire aussi des moments dramatiques dans sa vie. Et moi, c'est ce que je voulais voir aussi, c'est que tu sortes un peu aussi, pendant le film, du cadre musique, vas-y, on écoute du Elvis, du spectacle, etc. On veut voir aussi du drama, du jeu d'acteur, de la relation humaine, etc. Ils l'ont fait aussi, tu vois. Et tout ça aussi en ajoutant le contexte politique et historique de l'époque, avec les assassinats du député là où le ministre Kennedy, je sais plus comment c'est quoi son nom, Ouais, c'est ça, ouais, la John famille Fitzgerald Kennedy. Kennedy. Enfin, ouais, voilà. Non, c'était pas John Fitzgerald Ah oui, Kennedy, non, c'était non, pas le c'était président. le... C'était un de sa famille, Oui, c'est ça. son frère ou cousin, je Oui, sais c'est plus, ça. Et qui est mort aussi assassiné la à ce mort moment-là. de du grand pacifiste Voilà. afro-américain... Ça. Comment? Ouais, c'est ça, merde, bah Martin Luther King. Martin Luther King, merci, je cherchais le nom. Martin Luther King, ouais, exactement. Oui, c'est vrai que ça touche aussi au début du film. Et c'est exactement ce genre de film, moi, que je veux voir au cinéma quand on parle d'un personnage, parce que pour moi, j'en fais une très claire similitude avec Forrest Gump, parce que Forrest Gump le fait extrêmement bien, ça aussi. Parce que tu avances dans le temps, tout en ayant un contexte historique, politique, etc., qu'on t'apprend à l'école. Mais qui est intégré dans un film où c'est techniquement une fiction. Moi, j'adore ce genre de film. J'en raffole, tu vois. Et d'avoir un personnage réel où on voit sa carrière, son explosion, son ascension et son explosion, etc., jusqu'à sa chute, avec tout ce contexte historique, politique, etc. Moi, j'adore, en fait, quand tu intègres ça à des faits réels. Et franchement, c'est l'une de mes meilleures séances de ciné que j'ai pu faire dans l'année, en fait. Donc, franchement, Elvis, tu vois, dommage qu'il n'ait pas été avant le top de mi-saison parce que je pense que je l'aurais mis en bon top 2, tu vois. Bah, Que je on en l'aurais mis en rediscutait à la bon fin de top l'année, 2. hein. Sais même plus c'était quoi mon top 2 en dessous de Batman. Ah, Northman, je crois, The Ouais, Northman. Parce exactement. que je le mets au-dessus de Northman, clairement. Mais moi, je te rejoins à 200% hein, sur tout ce que tu as dit. Hein, je suis Elle est entièrement incroyable. d'accord. J'avais vu quelqu'un sur Twitter, pour revenir juste par rapport au lien entre Elvis et le colonel Parker, il y a quelqu'un qui a dit, et je trouve que c'est exactement ça ce que nous montre le film, le colonel Parker point Elvis, c'est grâce à... Et c'est à cause d'eux. C'est grâce à lui
qu'il est devenu Elvis, mais Monté. c'est à cause de C'est à cause lui de lui qu'il est qu'il n'est devenu plus. Ouais. Elvis. Entre, tu vois, genre, Ah c'est oui. marrant parce que t'as un peu deux facettes d'Elvis et t'as un peu cette phrase qui résume tout. Je trouvais que le gars, il avait trouvé les mots parfaits pour expliquer ce film. Et à côté de ça, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que ce qui est très très fort dans ce film, et c'est ce qui me manque par exemple dans Bohemian Rhapsody, c'est que Ah oui. oui, Elvis a fait des mauvais choix, que ce soit à cause du personnage du colonel Parker, mais aussi dans ses choix personnels. Le mec était pas Saint-Denis de Touche non plus. C'est pas Pour colonel les films, Parker qui lui a fait. sa période de pause, Ouais, mais qu'il lance même, sur c'est les par films, exemple, c'est c'est pas archi colonel sympa. Parker qui lui a foutu des putes dans son lit, tu vois. Genre le mec, quand il trompait sa femme tous Oui. les soirs, Ah oui. c'était ses choix. Hein. Quand il a commencé à prendre des médocs, c'était ses choix. Hein. Je veux dire, le mec, Ouais. il était quand même pas net de base, tu vois. C'est tout à fait. Mais du coup, ce que je trouve très fort, c'est de te montrer que, oui, lui, déjà personnellement, a fait des mauvais choix. Et c'était aussi la vie, entre guillemets, de star de l'époque. Mais que ses choix, qu'ils soient bons ou mauvais, ont aussi été influencés par les personnes autour de lui, mais aussi par les personnes qui l'ont inspiré autour de lui. Et ça, c'est montré dans la bande-annonce, donc je le spoilerai pas, mais c'est vraiment un bout du film où vraiment il remet en cause sa musique et les événements qui vont se passer à l'avenir vont être modifiés par rapport à ce qu'ils auraient dû être, par rapport à la mort justement de Kennedy. Merci Plumino de t'abonner. Merci mec. Et du coup, n'hésite pas à nous dire un petit coucou, hein. Ah, mais il s'est abonné avec Ouais, Prime! il Ah, mais il nous a offert un Prime! Il vient de... Mais merci! claqué son Mais prime, il a claqué son Prime! merci. Mais merci, Mais Plumino! moi j'ai plus que claqué le prime, je vais claquer le clap. Merci mec. Mais incroyable! Et du coup, comme je Merci disais, je beaucoup. trouve ça dingue aussi de voir à quel point les contextes politiques, comme tu disais, et sociaux de son époque peuvent influencer une personne et il peut volontairement ou non devenir une icône. Le mec, pour tous les Afro-Américains et pour la musique afro-américaine et pour lutter quasiment contre le racisme sans réellement le vouloir, le mec est devenu une icône, mais complètement juste parce qu'il aimait ce genre de musique et parce qu'il est né dedans en fait. Genre le gars n'a pas du tout voulu ça. Et le mec, par rapport à ça et au contexte dans lequel on l'a formaté là-dedans par rapport à sa musique, et au contexte politique désastreux de ce sujet-là à l'époque, il a dû faire des choix de carrière qui l'ont mené à se restreindre pendant un moment, mais également lors de la mort, bah, typiquement de Martin Luther King, de remettre en cause tout ce qu'il a fait, ce qu'il a arrêté, ce qu'il a continué de faire, et de faire juste ce qu'il avait envie, quelles que soient les retombées derrière, et des retombées qu'elles soient positives ou négatives. Moi, sincèrement, j'ai trouvé que le film était incroyable. Oui, Incroyable. il y avait tous les sujets de discussion possibles, tous les messages que tu pouvais faire passer qui étaient dans ce film et étaient super bien faits et réalisés. Et je sais que c'est un film magistral en fait. Et si vous l'avez pas vu au cinéma, messieurs, dames, allez le voir hein, parce que vous ratez clairement quelque chose. Moi, pour la petite anecdote, Elvis Presley, je le connais de par ma grand-mère qui en était fan absolue. Donc bah forcément ma grand-mère qui est née en 48 49 qui a vu la montée d'Elvis et ses moments de gloire etc. elle en était fan absolue. Évidemment quand j'ai vu le film je lui ai dit mais va voir ce film, c'est obligé pour toi. Enfin je l'ai trouvé déjà incroyable alors que je suis pas fan d'Elvis, mais toi qui jures que par lui etc. tu vas kiffer tu vois. Et j'ai reçu un message genre 2 3 jours après où ma grand-mère m'a dit mais ah voilà, de toute façon, je suis allé voir Elvis et j'en ai chialé tellement j'ai revécu ma jeunesse, etc. Ah ouais. J'ai eu un choc, ouais, elle avait un choc de nostalgie qui voilà, qui l'a fait chialer parce que bah le film de A à Z l'a transporté, tu vois, sur les débuts d'Elvis, sur sa fin, C'est fou. etc. Ou voilà, triste et tout. Mais voilà, elle a eu un choc de nostalgie. Donc tous les gens qui ont pu connaître Elvis dans leur vie, etc. Bah un film magistral, donc ça veut dire que en fait le film est bon dans le sens où eh bah les personnes qui ont connu cette époque ont surkiffé et les personnes qui l'ont pas connu et qui peuvent même le découvrir tu vois vont surkiffer en fait Ah donc bah, le film il a que du et bon. j'ai même envie de te dire, et je trouve que la réaction de ta grand-mère, elle est magnifique pour ça. C'est ce qu'on veut avec Ouais. le cinéma. Moi, c'est pour ça que des fois, oui, on se charrie, on s'embête parce qu'il y en a qui aiment quelque chose dans l'émission, d'autres qui aiment pas, comme par exemple Suicide Squad ou autre. Mais le cinéma, avant la technique, avant la réalisation et les séries, ont aussi un peu ça. Mais
t'as déjà l'émotion. Et c'est pour ça que je défendrai toujours la salle de cinéma, et on en parle juste après, le support physique. Parce que ces émotions, tu les as aussi quand t'es dans les meilleures conditions possibles. Quand tu regardes une série découpée en 3 fois ou un film que tu regardes en 3 morceaux depuis ton téléphone dans le train ou dans le bus, t'apprécies pas du tout une œuvre de la même manière que posé dans ton canapé, tu mets ton téléphone en silencieux et tu te laisses transporter par l'œuvre pendant 1h30, et ce par une comédie moyenne qui va juste te faire rire et passer un bon moment, jusqu'aux plus grands films de Nolan qui peuvent te faire aller dans un univers que t'auras encore jamais même imaginé dans tes rêves. Inception, c'est quelque chose qui a rarement été vu, et typiquement la réaction de ta grand-mère, elle est parfaite pour ça. Le cinéma, avant toute chose, avant tout goût, avant quoi que ce soit, ce sont des émotions. Et même parfois, on en parle au début avec Arthur Malédiction, qui a l'air d'être une énorme merde, bah, le fait de tomber tellement sur un mauvais film au cinéma, mais d'être dans des conditions tellement particulières qu'est la salle de cinéma, plutôt que de couper le film au bout de 20 minutes parce qu'il est mauvais, bah, exploser de rire et juste passer un moment what the fuck devant une énorme daube. Et le cinéma, c'est ça. Et c'est ce que je trouve magnifique. Et la réaction de ta grand-mère, elle est sublime pour ça. Tu lui diras merci de nous offrir cette anecdote. je lui dirai, il n'y a pas de souci. Mais non, mais moi, surtout qu'en plus, d'aller voir ce film après les boosts qu'on s'est tapé il n'y a pas longtemps, moi, ça m'a fait du bien, tu vois. Ah bah complètement. Et du coup, Epic Hunter, après, simplement, qui nous donne son avis sur le film, qui nous dit « Je suis un peu plus réservé que vous sur le film, surtout sur la deuxième partie que je trouve beaucoup moins inspirée visuellement et son histoire un peu plus édulcorée. Mais dans l'ensemble, j'adore. C'est un peu un anti-Bohemian Rhapsody. » Donc, il se rejoint complètement à ce qu'on dit, hein, effectivement, hein, là-dessus. Ouais, bon, même si la deuxième partie, bon, niveau visuel, je suis pas d'accord. Je suis parce que pas je d'accord vois... non plus. En fait, le visuel, je trouve, il a une espèce de, en effet, de décadence par rapport à la première partie, mais je trouve que c'est volontaire dans le sens où c'est censé être dans la décadence d'Elvis, tu vois. Ouais, complètement. Là, c'est plus la fête, c'est plus le délire psychédélique qu'on avait au début du film, en mode, waouh, c'est beau et tout, c'est stylé, et machin. Là, c'est broie du noir, tu vois, même Bah, si complètement. le film n'est pas fait pour te faire broyer du noir absolument, tu vois. Mais il y a ce petit détail de... Ça devient un peu plus sombre, donc visuellement un peu plus compliqué, tu vois. Enfin, différent de la première partie, mais je trouve ça, à mon avis, sympa d'avoir ça, plutôt que d'avoir le même visuel de A à Z, alors que sa phase de, comment dire, sa phase de plus de dépression est plus marquante, tu vois. Et bah, Plumineux, pardon, qui nous dit totalement d'accord sur les émotions. Je sais que c'est toi, Pierre, hein, t'inquiète pas, j'ai vu ton message. C'est un ami du travail. Bah, Ah, avec qui on va jouer à LoL dans pas longtemps, Tristan, avec lui. Et c'est un crack, hein, ah bah oui. il a envie de faire les clashs avec nous le week-end. Il est Ah là là, il est chaud, il est principalement. chaud. Allez, petit moment jeu vidéo, on se pose 2 secondes. Attends, allez, regarde, je vais même changer le visuel pour ça, regarde. Hop, pardon. Oh putain. Regarde, hop, comme ça on peut se poser 2 secondes. Non, j'allais dire, même à un point, Tristan, où il veut faire les clashs avec nous et il est, je crois qu'il est plate, hein. C'est un crack, hein. Ah, Ouais, il est c'est un bon, il est crack, hein. bon. Donc il est chaud, chaud, Bah, chaud. Tristan, le best. jungle, moi support, Plumino qui Vas-y, va let's être go. ADC ou top, il joue tous les rôles, il adore, donc ça va faire du très très sale. Bah justement, je trouve que le film n'embrasse pas la décadence, il arrête juste d'être délirant, mais bon, c'est pas si grave. Bon, bah en tout cas, voilà, on a un peu tous les. Enfin, on a plus C'est mitigé, c'est vrai que nous, on s'est un laissé point de vue. transporter, on était dans une bonne séance, personne nous faisait chier. Ouais, C'est vrai qu'on a voilà. été jusqu'au bout et on a adoré, et vous le verrez sur notre top de fin d'année, parce que je pense qu'il sera Ouais, quoi qu'il clairement. arrive dans le top 5, si ce n'est pas même encore mieux. Ah bah on verra ce qui sortira en attendant, mais bon, pour moi, On est il est d'accord. bien monté, Il y quoi. a encore beaucoup de choses qui vont arriver. J'en ai pas beaucoup. Moi, ce que je te propose, et comme ça, j'aurai ton avis en même temps, parce que je t'avoue que j'ai une petite pépite, j'ai envie d'en parler parce que je suis le plus heureux des hommes. Je me suis offert, j'ai explosé mon porte-monnaie, je me suis offert mon plus beau Blu-ray. Oh la vache, le plus Donc, beau. mon plus beau et mon plus rare et mon plus cher. Voilà, il fait la totale. What the fuck? Moi, Ah j'ai ouais. envie d'avoir ton avis et comme ça on discute rapidement des films, très très rapidement. Hein. Vraiment, on prend une Vas-y. minute par film, juste on aime, on n'aime pas, on a vu, on n'a pas vu. Moi, quand je fais les présentations, c'est très très simple. Bah, attends, on va passer. Je vais mettre la transition, on va passer en mode Blu-ray. Hop. Alors, les amis, effectivement, on reprend. Je me suis mis en un peu plus grand, c'est pas contre toi, Tristan. Dans la vraie vie, on a l'habitude que ce soit toi le plus grand. Ah, Je change un je petit suis peu. déphasé, ce bâtard. Présentation Blu-ray, comme vous le savez, j'ai fait Le la. Blu-ray de Star Wars 9, il est en train Non! de dire Epic Hunter, quel enfoiré. Non, non, J'avoue. Epic Hunter, on n'est pas sur le Blu-ray de Star Incroyable. Wars 9. Le teasing troll pour ça, tu sais, ce serait incroyable. Bon, du coup, les amis, c'est vrai que
On n'a pas eu l'habitude de ça sur les deux premières présentations. D'habitude, je l'ai fait tout seul pour la refaire très rapidement pour tout le monde. Je suis un collectionneur de Blu-ray. Je n'achète pas en quantité, j'achète en qualité. Donc, j'achète des films que j'ai très envie de voir. C'est rare, mais je le dis parce que là, c'est le cas pour plusieurs Blu-ray que je vais vous montrer. Il n'y en a pas énormément. On va aller vite. Hein. Dans 10 minutes, c'est fini, je pense. Et des films que j'aime énormément dans des versions plus ou moins rares, dans des versions de plus ou moins bonne qualité. J'achète aucun DVD sauf si j'en suis forcé. Vous le savez, sur mon dernier achat, puisqu'il n'existe pas en Blu-ray, j'étais obligé, pour avoir l'une de mes comédies préférées, d'acheter Mission Cléopâtre Astérix et Obélix en DVD, puisqu'il n'existe pas sous le format Blu-ray ou 4K aujourd'hui. Mais j'achète uniquement du Blu-ray, voire du 4K quand les films pour moi le méritent. Je pense par exemple, on en parlait juste avant dans le live, à des films comme du Christopher Nolan qui visuellement sont quand même resplendissants. C'est sûr qu'une comédie à la Philippe Lachaud au dîner de con, il n'y a pas besoin de l'avoir en 4K. Ce qui compte, c'est surtout la joute verbale. Et parfois, dans des supports, donc le steelbook, des boîtiers pardon, en métaux un peu plus précieux, un peu plus rares, avec des designs souvent un peu plus sympas. Là, c'est vraiment le collectionneur qui parle. Ça ne change rien. À l'intérieur, c'est généralement des 4K ou des Blu-ray classiques. Donc, c'est la valeur sentimentale, visuelle et forcément financière qui va faire la différence. Et vous allez voir que ce mois-ci, c'est surtout des steelbooks que j'ai achetés. Donc, c'est très simple. J'ai pas beaucoup forcément de films dans ma collection, je dois en avoir entre 200 et 300. Pour un vrai collectionneur, c'est peu. Il y en a beaucoup qui sont plus dans les 1000, 1500, voire 2000 films. Même si à côté de Tristan, mal, hein. C'est vrai que j'en ai un petit peu. On va changer un petit peu parce que Tristan, t'es là pour cette première présentation. Ah, c'est beau, c'est beau. L'idée, ça va être simplement, je pense, voilà, pour te dire, hein, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 supports, dont un qui a un coffret. Donc vraiment, on va être rapide. Hein. L'idée, je présente le support, donc le support du film. Pourquoi je l'ai acheté dans ce support-là et le film en lui-même. Si je l'ai vu, si je ne l'ai pas vu, pourquoi je l'ai pris. Tu nous donnes ton avis sur le support si tu as envie et sur le film en lui-même si tu as envie. Ça te tente ou pas? Ok. Ouais, ça me va. Ça me va. Rapidos, bien. Et je peux peut-être te donner envie sur un ou deux films. Ouais, totalement. Donc le premier, et ce sera le seul Blu-ray Amaret, donc le Blu-ray classique, on va dire, en 1080p, Titane de Julia Ducournau. J'ai adoré son premier film Grave, je t'en ai déjà parlé Tristan en live avec ouais. Victor, ce film qui te relate l'histoire d'une lycéenne qui arrive en école de vétérinaire et qui pour son intégration va subir du bizutage qui va la rendre cannibale, voilà pour teaser un petit peu ce film. Wow. Quand vous pouvez répondre, j'aimerais bien savoir quel film vous attendez le plus actuellement. On te répond après Plumino. Et du coup, voilà, je vous le montre, un très classique, un Blu-ray Amaret. Il m'a coûté, je donne les prix hein, à chaque fois, au moins si jamais ça vous avez envie. Il m'a coûté 10 balles. C'est son deuxième film. Je ne l'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore réussi à trouver Grave, pas très cher, parce que le problème, c'est que Grave a été mis dans une seule version à l'époque de sa sortie. Il n'a jamais été réédité depuis. Donc aujourd'hui, il est simplement introuvable sur le marché du neuf. Donc j'ai pas encore Grave, mais vu que j'ai adoré Grave et que j'adore la réalisation de Julia Ducournau et que j'ai envie de découvrir Titane, je me le suis pris dans une offre à la Fnac, donc il m'a coûté 10 euros, voilà, tout simplement. 10 balles, putain, il a un steelbook là ? Non, c'est un normal, ouais. C'est mon seul classique. Ouais. Les autres sont des steelbooks, mais ouais, là c'est un balles, classique. 10 balles, c'est pas cher. Hein. Non, bah ouais. c'est l'offre 3 pour 30 euros. Ah oui, ok. Donc à la base il est à 15 mais il m'a coûté 10. Donc je suis vraiment content. D'accord, putain, il est relativement récent pourtant. Ouais, hein, Palme d'Or du Festival de Cannes. Bah, tu vas voir que j'ai des Les films d'auteur de Cannes, ouais. Ouais, exactement. Donc moi, en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Donc j'en parle dans peu de temps parce que je vais me le faire. Mais à ce qui paraît, il est bien viscéral, bien gore. Je pense que je vais pas en sortir indemne de celui-là. Non, je pense pas non plus. J'ai vu les critiques, c'est assez sale. Ouais. Bah en tout cas, n'hésitez pas aussi hein, dans les commentaires sur les différents films qu'on présente, que ce soit sur les différents formats qu'on a fait avant, hein, durant le live et sur celui-ci au niveau des achats, ce que vous pensez du support en lui-même, du design des supports que je vais vous montrer, et également des films, surtout pour ceux qu'on n'a pas vus, typiquement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Titane, histoire de voir si ça peut donner envie à Tristan de le découvrir. Bah, moi, tu vois, pour mon avis, pour ce film-là, moi, ça m'a un peu freiné dans le sens où j'ai eu vraiment des avis de personnes qui étaient choquées, genre ouais. Du film, hein, et qu'il y en a certaines personnes qui sont même tombées dans les pommes tellement ouais. C'est violent. Complètement. Donc, moi, ça me fait flipper. Ah, je t'avoue hein, que je suis hypé, en même temps, j'ai très peur de mon visionnage. Hein. J'ai peur de ne pas être capable de finir ce film. Ah ouais, bah, c'est. Ouais, c'est pas attirant, techniquement, de savoir ça, tu vois. Moi, ça m'attire pas des masses, hein. Pourquoi pas, hein. Ça peut être une épreuve, tu vois, ça peut ouais, être un challenge. Exactement, genre, pour un fan de cinéma, c'est ça peut de être challenger. Un challenge. Et puis Hunter qui nous dit qu'il a pas vu Titane, mais que Grave était super. Et bah, tu vois, nickel.
Deuxième film, donc là on part, c'est bien. que du steelbook. Vas-y. Je vous le dis, là on est que ouais. sur du steelbook, donc là c'est vraiment sur l'aspect visuel que j'ai pris la plupart, mais bon, on va y aller en détail. Celui-là, je le prends pour deux raisons, ce film, je vous le tease un petit peu. Le premier, c'est que c'est un genre que je n'aime pas. Le deuxième, c'est que le film, du coup, m'intrigue parce qu'il a l'air excellent dans un genre que je n'aime pas. Et le troisième, c'est pour la ribambelle d'acteurs, à commencer par Joaquin Phoenix et Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, vous le savez, c'est dans le top 3 de mes acteurs préférés. Un film récent, 2019 de mémoire, Les Frères Sisters, dans un magnifique steelbook de Jacques Audiard. Alors, okay. J'ai jamais vu. Stylé, l'image est stylée. Ça fait un peu Stranger Things d'ailleurs, je trouve. Et bah, c'est un vrai western. Hein. On est sur un pur western, c'est pour ça que c'est le genre que j'aime le moins au cinéma. Un magnifique steelbook, je le trouve super. Je l'ai pris uniquement pour le steelbook, je le dis là, c'est vraiment le collectionneur qui parle. Oh là là, et un abonnement a été offert à Charles-Henri 75 par Plumino. Mais merci Plumino, en plus oh, qui nous dit quel que je présente génie, bien. Le Plumino. Mais quel génie, non. Oh là 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 là. Et du coup, voilà les amis, donc moi, il y a Jack Gyllenhaal, il y a Joaquin Phoenix, il y a un bon réalisateur, il y a des bons retours. J'ai qu'une envie, c'est de le découvrir. Je vous en parle d'ici peu parce que je pense que je me le fais ce week-end, celui-là. Génie. Un autre film, alors celui-là, c'est extrêmement particulier. En plus, je suis en train de voir actuellement que le steelbook est abîmé. Je suis à la limite d'être merde. Dégoûté, mais bon, c'est pas très grave parce que c'est pas un steelbook qui coûte très cher et je l'ai pas pris. Je l'ai pris pour le steelbook pour l'avant, mais je l'ai pas pris pour l'aspect collection. C'est un film de mon enfance qui a été refait l'année dernière. Je m'attendais à le voir au cinéma et à le découvrir. Ça n'a pas été le cas puisqu'il est sorti sur les plateformes de streaming et en direct en VOD. C'est un film réalisé par un réalisateur que j'adore puisque c'est celui qui nous a fait Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui s'appelle Robert Zemeckis, et avec une actrice que j'aime énormément qui s'appelle Anna Taoué. C'est le film Sacrée Sorcière. Okay. Le j'ai jamais steelbook entendu parler. Est magnifique. Alors en fait, c'est un film de mon enfance, c'est un film de notre enfance plutôt, des années 90-2000, qui est tout simplement okay. l'histoire d'un enfant dans un hôtel qui en fait va se retrouver attaqué par des sorcières qui transforment les enfants en rats. Elles détestent en fait leur faiblesse à ces sorcières, c'est les enfants. C'est un film qui est très enfantin, même si les sorcières ont un design qui peut effrayer les enfants, ce qui est un peu paradoxal, mais c'est vraiment un film pour enfants, un petit peu dans la lignée de ces films comme par exemple Maman, j'ai raté l'avion ou encore Gremlins. Tu vois, tout ce genre de films qui ont un sous-entendu pour adultes, mais qui sont vraiment écrits et faits pour les enfants, avec dans les personnages principaux des enfants. Et donc, il y a eu. Donc, c'est basé de l'œuvre de Roald Dahl, hein, Sacrée Sorcière, qui est une œuvre littéraire très connue. Et donc, là, on a tout simplement un remake hein, qui a été fait par un grand réalisateur. J'ai très envie de voir ce film parce que, comme je le dis, l'original des années 90-2000 est un film de mon enfance où j'ai encore aujourd'hui un excellent souvenir. Et avec Anna Taoué dans le rôle des sorcières, moi, ça me donne énormément envie. Les retours n'ont pas été forcément très bons sans être mauvais. Comme quoi, c'était un film moyen dans la lignée du premier. Moi, ça m'intrigue parce que j'ai un bon souvenir du premier. Donc, c'est avec plaisir que je vais le découvrir. Et je trouve, par contre, que le steelbook est vraiment beau sur l'avant. Voilà, avec le petit design de Sacrée Sorcière. La luminosité est dégueulasse. Je suis désolé. Hein. Je pensais que je vous offrirais mieux. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il va falloir mettre une petite lumière. Enfin, moi, je vois bien, finalement. Ensuite, on va passer à mon dernier steelbook. Et alors lui, j'ai fait craquer le portefeuille parce que pour un seul et même steelbook, je vous le dis, hein, il n'y a pas de peine, j'en ai eu pour 80 euros le steelbook. Voilà. Donc là, alors en fait, pour vous dire, l'offre de acheter le troisième offert, donc 3 pour 30 euros, c'est les 3 que vous venez de voir là, à la Fnac. Ouais. Donc comme vous le voyez, c'est 3 films que je n'ai pas vus et que je veux découvrir. Dont deux steelbooks et une belle version de Titan édition Fnac. Donc pour le coup, j'ai fait un bel achat. Par contre, celui-là, c'est dans le top 3 de mes films préférés de tous les temps. C'est un film que j'ai découvert avec Victor, qui malheureusement n'est pas là, puisque comme vous le savez, pour des raisons professionnelles, il est à l'étranger, notre troisième, notre cher ami et chroniqueur. Deus Ex Machina. Non, mais non, de Sex Machina, c'est pas dans le top 3 de mes films préférés all time. Non. J'ai acheté... C'est un film que j'ai déjà en Blu-ray. Et là, je ne l'ai pas pris dans une version d'une meilleure qualité, puisque c'est aussi un Blu-ray à marais qui est à l'intérieur. Je l'ai vraiment pris pour le support. C'est le collectionneur qui parle, c'est avoir la plus belle version de ce film. C'est c'est un steelbook qui est sorti en 2012, si je ne me trompe pas, ou en 2015. Il n'y a jamais eu de réédition. Ce steelbook sur le marché, pour vous dire, vaut à peu près aujourd'hui entre 200 et 400 euros en occasion. Je l'ai eu à 80, donc j'ai fait une excellente affaire. C'est le film et le magnifique steelbook et il n'a aucune trace, aucune rayure. Je ne sais pas comment le gars a fait pour le garder dans cet état-là. C'est le sublime steelbook de, comme je vous dis, l'un de mes films préférés. Hein. Il est dans le top 3 all-time de tous les films que j'ai vus.
Il m'a choqué le jour où je l'ai découvert et depuis, j'en sortirai pas indemne. C'est le steelbook de Requiem for a Dream. Et alors, ce steelbook, mec, il est juste, c'est mon plus beau steelbook. Il est magnifique. Il Tu est as si cher que ça, genre. le pont de cette scène culte avec l'œil de l'affiche et à l'arrière. On a ce moment un petit peu phare où les deux personnages discutent de leur avenir et que leur sort va être scellé avec un effet un petit peu rayé, comme s'ils étaient l'ombre d'eux-mêmes. Enfin, ça explique toute l'histoire. C'est l'un de mes films préférés. Je vais vous montrer l'intérieur. Hein. Vraiment, c'est un pur objet de collectionneur, là, pour le coup. Regardez au Ouais. niveau de l'intérieur. On a donc cette scène où ils vont chercher la C'est télé si pour la cher que mère ça, avec genre. le steelbook en lui-même. Le steelbook vaut aujourd'hui sur le marché, il est extrêmement rare. C'est vraiment un marché de collectionneurs. Il vaut entre 200 et 400 balles. Et je l'ai eu sur Vinted pour 80 €. Donc un grand merci à celui qui me l'a offert. C'est un mec qui libère sa collection de steelbooks, qui a beaucoup de steelbooks des années 2010-2015. Donc des steelbooks d'une grosse rareté. J'ai failli péter mon portefeuille et lui faire une commande entre 200 et 300 balles. Je ne l'ai pas fait parce que je ne pouvais pas me permettre. Mais à mon avis, le mois prochain, quand le salaire va tomber, je risque de me faire un bel achat. Mais Ouais. aujourd'hui, voilà, sur un seul et même film, c'est mon plus gros achat en rapport film-prix. Parce que vous le verrez le mois prochain, j'ai pris un magnifique coffret Matrix. Mais en rapport prix, j'ai 4 films pour 120 €. Donc ça fait à peu près 30 € le film, ce qui est la logique. Là, 80 € pour un film, ça fait péter le portefeuille. Mais c'est que du plaisir. Regardez, je l'ai encore sous polystyrène. Et dès que j'ai fini de vous le Bon. présenter, je vais le mettre dans une protection en plastique. Je veux pas qu'il se raye, lui. C'est peut-être ma plus belle pièce de ma collection et j'en suis extrêmement heureux de l'avoir. J'ai eu le mois dernier, comme vous le savez, une version 4K de Kiva, la peau de Roger Rabbit, qui m'a pas coûté cher, mais j'étais très heureux de l'avoir. Bah là, celle-là, Le c'est la summum, cerise sur le c'est gâteau. la finalité. Exactement. Et alors lui, pareil, sur le marché de l'occasion, je l'ai eu pour 50 € alors qu'aujourd'hui il vaut à peu près 80-90 € sur le marché. Donc voilà, j'ai gagné un petit peu d'argent. Je comptais, en fait, c'est que je voulais pas l'acheter neuf parce que 80-85 € pour ce coffret-là, j'en avais pas envie. À 50, je considérais que je faisais un bel écart financier et du coup ça m'intéressait de le prendre. Je l'avais également en coffret classique, mais là j'ai voulu me l'offrir un petit plaisir, on va dire. C'est une nouvelle mode qui a été lancée depuis à peu près un an sur le marché des steelbooks, c'est de faire des coffrets steelbook de saga. On en a une qui va sortir là sur l'ensemble des Jurassic, qui pour moi le rapport qualité-prix ne se vaut pas, donc je l'achèterai pas. On l'a sur Matrix, où là pour moi, comme je disais, le rapport qualité-prix vaut, et donc je l'ai acheté et je vous le présente le mois prochain. Et donc on a un magnifique coffret Indiana Jones en steelbook. Donc un coffret collector où les 4 films sont en format steelbook. Je vais vous en montrer un. Ils sont tous avec le même genre de design. Donc vous les voyez. On est sur 4 steelbooks. Boîtier métaux, comme je le disais. Donc là, par exemple, si je vous montre le premier, en fait, on a à l'avant une affiche un petit peu remasterisée. Donc ils sont tous avec le même genre de gueule. Je vais vous les montrer un petit peu tous comme ça. Hop, hop. Comme tu le vois. Et à l'arrière, en fait, on a juste un fond sobre avec une image de l'un des objets justement mythiques des films. Donc là, par exemple, pour le 2, les fameuses pierres. Et pour celui-ci, on a par exemple l'arche de triomphe, l'arche d'alliance. Je trouve que le steelbook est vraiment, vraiment sympa. Je l'aurais pas pris. Lui, c'est du pur plaisir. Mais je trouve que les steelbooks sont magnifiques. Et celui que je préfère, c'est indéniablement celui du film qui est le moins aimé. C'est le steelbook, c'est pour ça que je vous le réserve là pour terminer cette présentation. Du crâne de cristal, je trouve qu'il est vraiment, vraiment hyper sympa celui-là. Regarde, avec le crâne à l'arrière, je trouve qu'il rend vraiment, vraiment bien. Voilà. Et on est quand même, je crois, sur des 4K. Donc j'achète aussi une plus-value en termes de qualité de film, puisque mon coffret, c'était un vieux coffret avec le Blu-ray en classique. Donc voilà, un mois où j'ai fait vraiment peu d'achats, parce qu'en moyenne, j'achète entre 10 et 20 films par mois. Là, on est, comme vous le voyez, bon, si on considère le coffret comme un seul et même film, j'ai acheté au final que 5 films. 5 achats différents, mais c'est vrai que par contre le portefeuille en a pris un coup et c'est que des belles pièces, j'ai envie de dire. T'en penses quoi, Tristan, de ce petit coffret Indiana Jones? Ah, il peut plus parler! Il est devenu sourd, il est pas muet. Non, il est devenu muet mais pas sourd, tu m'entends toujours? Bon, qu'est-ce que t'en penses? Fais-nous un signe. C'est un plus ou c'est un moins de ce coffret? Oh putain, il a pas compris. Fais-nous un petit signe à la main. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, c'est bien. Bon, ça va. En vrai, c'est stylé. Ah, j'avais pas vu ton chat. Merci en tout cas le chat hein, qui nous dit trop beau, incroyable en vrai et tout. Donc voilà, bah en tout cas, c'était la petite présentation du mois de juin, de mes achats du mois de juin. Comme vous le savez, tous les mois, en fin de mois, je vais vous faire la présentation des achats du mois. Ce qui serait hyper sympa, ceci dit, Tristan, c'est que le mois prochain, tu nous présentes toi aussi les achats que t'es fait. Parce que là, par exemple, t'aurais pu nous le faire pour ce mois-ci. Bon, t'as plus trop de trucs niveau pour nous présenter. On peut plus t'entendre, donc c'est compliqué. Mais le mois prochain, tu pourrais aussi nous faire tes présentations achats. Ça peut être intéressant parce que ça permet de parler de films, bah, tu vois, là, typiquement, qu'on n'a pas vu, donc qu'on nous les conseille. Et puis également, bah, pourquoi t'achètes des films? Pourquoi acheter du support physique? Parce que c'est aussi ça. L'intérêt pour nous, c'est de défendre le cinéma qu'on aime. La salle de cinéma, on y participe tous les deux. Victor va lui beaucoup plus défendre les séries que nous. Et moi, et un peu plus toi, je t'y emmène, hein, je te tiens là. Là, t'es un peu comme le poisson. T'as pris l'hameçon, maintenant, faut que je te tire. Le support physique, t'y vas de plus en plus. Avoir une bonne qualité et pas regarder un film sur Netflix, ouf, ouf, ouais, exactement, t'es mon petit chien-chien. Bon, bah sur ce, les amis, je pense qu'on va pouvoir se laisser à la fin de ce live, à la fin de cette présentation. En plus, on a perdu Tristan, au moins on l'entend plus, et ça, c'est que du plaisir. Donc, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Ah oui! Pour la lampe, le portefeuille. Oh putain. Qu'est-ce qu'il nous dit et la qualité du stream. Pour la lampe, le portefeuille et la qualité du stream. Oh, ça sent l'abonnement. Ça sent le gros abonnement qui sort. Je l'annonce. Je le sens. 5 abonnements! Oh mon dieu! Mais c'est insane! Oh! En plein live! 5 abonnements de Plumino! Oh là 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 là! Merci beaucoup! Mais merci beaucoup! Oh bah Tristan, il peut même pas réagir! Oh le fou! Bah exactement! Oh bah là, on peut que terminer ce live hyper bien! Oh oui, ça mérite 5 claps! 5 claps! Ah bah puis y a le chat qui vient! Ah bah viens fêter ça avec nous! Oh bah merci beaucoup! Oh bah toi, t'auras le droit à un croissant demain matin si t'es au taf. Hein. Je te le dis, un croissant pain au chocolat. Ah ouais. Bon bah en tout cas les amis, sur ce, là, on peut que s'arrêter sur une excellente nouvelle, quoi, tout simplement. Sur ce, les amis, moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du live sur YouTube, parce que vous le savez, toutes les rediffusions sont mises et la partie Blu-ray toute seule est séparée. Donc également pour la partie Blu-ray, ce que vous avez pensé des Blu-ray, des achats, des films, etc. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour venir nous voir en live. La semaine prochaine, ce ne sera pas lundi parce que je ne suis pas là. Donc du coup, on le refera sûrement un mercredi ou jeudi soir prochain. Et puis en attendant, merci Plumino pour être venu. Il est venu, il nous a vus et surtout, il a vaincu. Et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Merci encore Epic Hunter d'avoir été là tout le live. T'es juste le crack de cette émission. Et merci à tous pour ces échanges. Et on vous dit à la semaine prochaine pour parler encore plus de cinéma. Et avec le retour de la voix de Tristan. Merci à tous. Ciao, ciao.